Et 3, et 2, et 1, et go, 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 bonsoir YouTube ou bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle tu te lèves. J'espère que tu vas bien. Et si tu as envie de venir voir ces vidéos au moment où elles sont tournées et voir tout le blabla de bonjour qu'on fait avant et un petit peu parler avec le chat et tout ça, parce que le chat là, ils te disent bonjour, ils vous aiment, ils attendent qu'une chose, c'est que vous les rejoigniez. D'ailleurs, on a des nouveaux arrivants de YouTube aujourd'hui, on est très contents. Et bien, il te suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description de la vidéo qui t'emmène directement vers ma chaîne Twitch. Et en fait, c'est tout simple, Twitch, tu fais follow, comme sur tu fais un petit cœur et hop, ça y est, tu follow la chaîne, vous êtes 116 ce soir, mais c'est super, merci beaucoup, ça me fait chaud au cœur pour une partie, vraiment, vraiment beaucoup. Sinon, YouTube, n'oublie pas que si tu aimes les vidéos de cette chaîne ou si tu les découvres et que tu as envie de filer un petit coup de main, n'oublie pas de mettre un petit pouce, de mettre un petit commentaire. Vraiment, ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup les vidéos à ne pas s'enterrer dans les tréfonds de YouTube. Un petit pouce et un petit commentaire, surtout un petit commentaire, ça marche du tonnerre de Dieu. Merci à Shkampu qui a follow sur Twitch. C'est très gentil. Je crois qu'il a entendu son appel sur YouTube. Oui, je pense. Merci. C'est un peu SimCity ce soir. Effectivement, est-ce que tu peux me... Elle s'en va. Mais elle défait mon... Je n'ai rien touché. Ce soir, avec Marjorie qui va revenir dans un instant, nous allons jouer à Suburbia. Suburbia, le jeu de création de ville. Un jeu de Ted Alpar, ça se joue, je veux pas dire de conneries, donc je vais aller vérifier. Où est-ce qu'ils ont marqué ça sur la boîte? Il y a des boîtes où ils le mettent pas. Ah, bah voilà. C'est 1-4 joueurs pour des parties de 90 minutes à partir de 12 ans. On est sur un jeu qui est en fait une réédition. La réédition d'un jeu qui est sorti à la base en 2012 et qui s'appelait Suburbia, c'est-à-dire que c'est exactement le même jeu. Je crois, sans dire de conneries, qu'il n'y a eu aucune modification au niveau du gameplay. Non, c'est vraiment une refonte graphique, mais la refonte graphique était bienvenue dans la mesure où vraiment la version originale était chum. Voilà, on va le... C'était... Alors là, on est dans quelque chose qui n'est pas... C'est pas non plus complètement... Oui, attention, hein, on n'est pas... Ça reste de la création d'une ville un peu austère, SimCity-esque, mais on est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que sur la version précédente. Vous pouvez aller jeter un œil sur internet si vous voulez. C'est Lucky Duck qui s'occupe de la localisation en français. Et c'est un jeu de pose de tuiles dans lequel on va fabriquer une ville, un petit peu à la façon de SimCity. On va gérer des bâtiments, on va... Ouais, vraiment, si vous connaissez SimCity et le principe des SimCity, c'est-à-dire que, en gros, j'ai besoin de plus d'habitants, je vais mettre des maisons, mais ces gens-là, il faut que je leur donne une école pour faire des points. Le but, c'est de faire de la ville où il y a le plus de population possible, la population étant le nombre de points de victoire. Le problème, c'est que plus il y a de population, plus ça coûte cher, les gens se méfient parce qu'il y a trop de monde, donc la popularité de la ville baisse, donc il faut tout le temps compenser avec de nouveaux aménagements, de nouveaux parcs, de nouveaux stades, de nouveaux... Voilà. Donc moi, vous devez sentir la passion dans ma façon d'en parler, parce que ça, moi, j'adore. C'est-à-dire que, en fait, c'est le genre de thème qui me... Moi, j'ai pu passer des heures sur des jeux comme ça, sur les jeux SimCity ou Anno 1404, etc. C'est des jeux où je peux passer des heures, et j'adore ça. On va voir si Marjorie adore. Je ne m'en souviens pas. Et elle ne se souvient en pas. En fait, je me souviens du jeu, mais je ne me souviens pas du tout de l'esthétique, ce truc-là, là. Je ne m'en souviens pas du tout. Parce que nous, on avait joué à l'ancienne version, il y a fort longtemps. Voilà. Tu préfères les Sims. Les Sims, c'était trop cool. D'ailleurs, des fois, j'ai envie juste de me relancer une partie des Sims. Alors, question... Et donc, on n'avait pas ce truc-là dans l'ancienne version. Question matos. Avant toute chose, avant de vous emmener sur le plateau, je vais quand même vous montrer un truc assez con parce qu'on l'a mis très loin. C'est vrai que j'aurais pu le montrer. Mais le jeu est gavé de game trays. Extrêmement bien foutu. Enfin, gavé de... Il y a deux grands game trays qui permettent de ranger toutes les tuiles. Et du coup... La première fois que vous allez, enfin, par conséquent, la première fois que vous allez ouvrir une boîte de Suburbia, vous allez vous dire, oh là là, ouais, ça ressemble à ça, voilà. La première fois que vous allez ouvrir la boîte de Suburbia et que vous allez le dépuncher, vous allez vous dire, oh là là, ça prend des plombes, il va y en avoir partout. Et en fait, les game trays sont avec couvercle, donc une fois rangé, ça se balade pas partout et ça se réinstalle, désinstalle, du coup, très facilement.
Le du coup me... Ouais, voilà. Oui, c'est compliqué. Hein. Tu sais que je me suis rendu compte que je l'utilisais même dans mes mails de boulot. Voilà. J'ai fait un... Enfin, je vous raconterai quelque chose, mais j'ai fait une... on a fait une vidéo avec, avec quelqu'un pour, dans le cadre de Trick Track. C'est une surprise. Ça va arriver bientôt. On ne sait pas quand. Mais cette personne n'aime pas les gens qui disent du coup. C'est vrai. Enfin non, elle les aime bien, mais elle demande... Ah non, hein, pas du coup partout. Et du coup, j'étais dans la merde parce que du coup, du en coup, fait. Du coup, ouais. Ah, c'est un peu ma signature, c'est un peu mon toc de langage. Et ça m'agace, ça m'agace. Mais bon, c'est toujours mieux que. J'ai une petite peau. C'est toujours mieux que d'avoir le syndrome de la Tourette. Alors, sur ce, je vous emmène sur le plateau. Je vous emmène. Du coup, vous êtes fous là. Oh, ça va. Hop. Pourquoi le. Ah oui. C'est ça, pardon, j'enlève. Pourquoi j'ai ça comme ça? Quelque chose qui a changé? Non, c'est bon. Je vous emmène sur le plateau. On ne voit plus rien, les gens. On ne voit plus rien. C'est-à-dire que j'aimerais qu'on voit les... Voilà, donc voici le plateau. Alors, j'enlève ça pour que vous voyez, parce que ça, c'est la règle. Nous avons un plateau ici de compte de points et de population. Un marché de tuiles. Il y a 7 tuiles sur le marché, des réserves, des tuiles objectifs. 3 piles de tuiles de base qu'on pourra aller acheter, 2 plateaux joueurs, des aides de jeu, et le début de notre ville. En fait, notre ville, elle va se développer, on va acheter des tuiles et elle va se développer comme ça ici. Heureusement, je peux faire des zooms pour que vous les voyez mieux de plus près pendant la partie, ça va être bien. C'est toujours mieux que d'avoir le syndrome de la Tourette, on peut la clipper celle-là. Bah oui, mais c'est quand même, c'est mieux de dire du coup tout le temps que d'avoir... C'est sûr. Ah ouais, c'est... C'est quand même... voilà. Salut, pour de vrai, j'ai couché Carl et je me suis endormie. C'est des choses qui arrivent... Je te comprends tellement. Je sais que ma vie vous passionne, mais ta vie me passionne, Rémi. Ça m'intéresse énormément. Je suis sur téléphone et je n'y vois rien. Alors ça, Delcarisa, malheureusement, j'avoue. Mais tu vois, je ferai des zooms pour que tu vois. Et puis, tu auras peut-être, du coup, quand même l'explication du jeu. Première chose, et quand même... Ça s'installe, donc une fois que c'est dépunché, parce que la première fois qu'on dépunche, il y a quand même pas mal de dépunchage. Mais une fois que c'est dépunché, ça s'installe 5 minutes. Ouais. Ensuite, les règles. On est sur quelque chose qui tient sur... Bon, alors, par contre, les règles carrées, merde, quoi. Chien. C'est chiant. Les grands livrets comme ça, je... Voilà, ça, c'est les règles. Donc, ça peut paraître écrit petit, mais en fait, il n'y a que 2 pages. Et là, vous avez absolument toutes les règles de Suburbia. C'est court, ça s'explique vite, c'est très, très logique, c'est très instinctif, donc... Vous allez voir, ça va aller, ça va aller très vite et facilement, quoi. Derrière, vous avez des petites descriptions, des tuiles bâtiments, un mode solo, 2 modes solo, plus précisément, et la description de tout le reste, voilà. Donc, une aide de, comme vous pouvez le voir, le livret de règles avec, ça, je trouve ça pas mal. La description du contenu, c'est le couvercle de, enfin, c'est la pochette, enfin... La première de couve. La première de couve, donc, quand on ouvre, on voit tout de suite ce qu'est quoi. Ça peut être pratique de temps en temps. On a un très beau, énorme jeton premier joueur. Hein. Wow. Voilà, quand même. C'est... Mais pourquoi avoir bah, c'est un building. Oui, mais tu fais le en petit. Pourquoi tu te fais chier à faire un truc pareil? Elle se prend 20 points. Et ça va. Hein. C'est un vrai plaisir de dépuncher. Alors, Dolmore, c'est un plaisir de dépuncher. Sauf quand tu joues. Enfin. Malheureusement, le fait d'avoir un média ludique fait que je dépunche au moins 4 ou 5 jeux par semaine. Il y a un moment, on en a plein le cul. Il y a des jeux, quand je les ouvre, je me dis « Ah ouais, il faut déjà que je dépunche tout. » Oui, ça fait un bout de temps que le plaisir du dépunchage, que je ressentais énormément au début, je me battais pour pouvoir dépuncher. Je sais pas, mais dans la version KS, le pion premier joueur est 5 fois plus gros avec une lumière à l'intérieur. Mais t'es sérieux? Bah au moins, il y a une lumière à l'intérieur. C'est vrai ça? Franchement, il peut nous raconter 5 fois plus gros. Je pense qu'il nous fait marcher. Moi, c'est le coup de la lumière à l'intérieur qui me paraît ouf. Si elle ne se prend pas 20 points, je lui lâche 509 bits la prochaine fois pour me faire pardonner. Ok, laisse-moi gagner. Ok. et voilà, et du coup, bah, on va se lancer. Et du coup, hein? On va se lancer, après cette petite explication du matériel et 39 minutes de discussion entre nous. Mais tu vas voir, ça va être rattrapé par la courtitude. Mais parce que là, elle vous embrouille, hein. Mais je vous l'annonce, hein, sur la boîte, il y a écrit 90 minutes. Mais non. Ah bah,
Mais verrais. C'est pas celui-là. Ah, si, c'est celui-là. Mais non. Voilà. Mais nous, on va jamais jouer en 90 minutes un jeu pareil, c'est pas possible. Bah, en live, sûrement quand même un peu. Hein. Donc, c'est un jeu où on va essayer de marquer, c'est ce que je vous disais, le plus de points de population possible. Arriver le plus loin sur cette piste là-haut. Comment on va faire ? Eh bien, on va construire notre ville. Et sur notre ville, sur les certaines des tuiles, il y a un petit symbole, comme ça, qui rapporte des points de population, un peu comme des points de victoire. Le seul truc, c'est que... et puis, il y a plein d'autres façons d'en avoir, parce que certains bâtiments en rapportent s'ils sont collés à d'autres bâtiments, etc. Le truc, c'est que plus notre population va monter, plus des fois on va passer... Vous voyez, il y a des lignes rouges. Mmh. On va passer des lignes rouges. Et ben ça, ça va nous faire descendre nos revenus et notre réputation. Parce qu'en fait, plus une ville est surpeuplée, ben plus... Ils vont déménager la campagne. Voilà. Donc, on aura un espèce d'effet, si on monte trop vite les points... Mais qu'on, alors attention, je vous montre sur un plateau joueur, qu'on, ici, nous avons sur nos plateaux joueurs une piste de revenus et une piste de réputation qui commence à 1 pour la réputation, à 0 pour les revenus. C'est chouette, c'est vraiment, on part bien. On n'a pas un rond, enfin, on commence avec 15. Donc, ça, bien sûr, c'est une piste de revenus qui va nous permettre de gagner des sous. Et la piste de réputation, eh bien, plus on a de réputation, plus on a, à chaque fin de tour, également de nouveaux arrivants. Plus ta ville est réputée, ouais, les gens viennent. Les gens viennent. Sauf que plus il y a de gens qui viennent, plus la réputation elle baisse. Ah là là. Logique. Là. Et donc ça, quand ça passe en négatif et que ça fait descendre les points et les revenus et qu'on paye des revenus quand on est trop descendu, on kiffe pas du tout. Donc le danger de vouloir marquer beaucoup d'habitants et de se lancer dans ah bah je vais prendre plein d'habitations parce que les habitations en général, les maisons, ça rapporte beaucoup d'habitants. Ben on se retrouve avec une ville où, ben certes, il y a plein d'habitants, mais ils n'ont rien à y faire. Où est la piscine ? Où est le... Où sont les écoles ? Exactement. Où est tout ce qui nous permet de rendre cette vie plus agréable et vivable, on va dire. Alors, comment ça se passe à notre tour ? À notre tour, on peut réaliser 4 actions. On va réaliser 4 actions dans cet ordre. La première chose, ça va être de placer une tuile bâtiment sur notre plateau. On n'a pas le choix, c'est une action obligatoire. Donc, même si on n'a pas d'argent ? Oui, mais attention, il y a des solutions. Ah. Première chose, il y a trois types de tuiles qu'on va pouvoir prendre. D'abord, il y a les tuiles qui sont dans le marché. Les tuiles qui sont, donc là, je vais zoomer. Les tuiles qui sont là sont les tuiles qui sont bah, les tuiles vraiment d'amélioration avec la ferme, le parking, la villa, etc. Elles ont un coût parfois, elles ont souvent un coût de base qui est marqué sur la tuile. C'est très cher. Et elles ont un coût supplémentaire, de temps en temps, marqué sur l'emplacement d'au-dessus. Eh oui, c'est très très cher. Par exemple, là, celle-ci, elle coûte 10. Celle-ci, elle coûte 8. Celle-ci, elle coûte 12. On n'a pas de bol, là, plus, mais bon. La tuile pas chère, elle est là. Voilà. Quand tu prends une tuile, tu décales tout vers la gauche, et tu en remets une. Paquet A, paquet B, paquet C. Donc, on va avoir des tuiles de plus en plus fortes, de plus en plus importantes, des bâtiments de plus en plus chouettes, en fait. Je vais baisser un... Alors, je sais pas si c'est le son de la musique qui est un peu fort ou le micro qui est un peu faible. On était obligé de les mettre comme ça, les trois premières, là ? Oui, parce qu'on a des tuiles de base dans nos villes et je vais expliquer ensuite le reste. Donc, d'abord, on peut acheter une tuile et j'expliquais ce qui se passe quand on la colle d'espace sur notre ville. Ensuite, nous avons trois tuiles de base. Qui coûtent pas trop cher. Qui coûtent pas trop cher. Et qu'on va prendre... Alors, vous devez choisir, mais je regarde quand... oui, c'est ça. Oui, alors, il y a une option, en fait, qui est que tu vas pas prendre de tuiles, mais tu vas faire autre chose. Mais tu vas voir. Donc, tu peux prendre donc une de ces tuiles-là, et elles ont un coût de base. C'est une tuile basique. Simple. Et on, et on la place sur son truc. Si on le fait, on doit défausser une de ces tuiles-là et payer le coût supplémentaire. C'est-à-dire que tu peux prendre celle-là, défausser celle-ci pour pas avoir de coût supplémentaire. Mais si tu as envie d'embêter l'autre et de lui enlever une super tuile qui arrive, tu peux. Donc ça, c'est les tuiles de base, site industriel, parc municipal, les faubourgs, elles ont des... C'est les trois qu'on a de base. C'est les trois qu'on a déjà de base devant nous, sur notre plateau. Non, parce que je trouve que c'est un peu traviole. Ah bah, c'est encore plus traviole. Je ferai après. Donc, soit une tuile du marché, soit une tuile basique, c'est une de ces trois-là, que vous ne voyez pas très très bien, je m'en rends compte maintenant. Hop. Soit, vous allez pouvoir, enfin, tu vas pouvoir, pardon, prendre une tuile pour l'utiliser en tant que lac. À ce moment-là, tu la prends dans le marché, et tu ne payes, normalement,
que le coût inscrit au-dessus. Ok, donc tu peux vendre celle-ci et ça te coûte 0. Voilà. Et donc c'est comme ça que tu peux récupérer. Qu'est-ce que c'est une tuile lac ? Et bien en fait, tu retournes la tuile et elle se retrouve sur sa face lac. Comme ça. Et en fait, bah ça, tu vas la placer et elle va te rapporter de l'argent, en fait. Okay. Bah, c'est un lac, c'est joli, ça rapporte en général des sous. Et je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionnent les tuiles après. Donc, soit une tuile comme ça, soit une tuile comme ça, soit tu retournes une tuile et à chaque fois, tu payes le coût correspondant. La quatrième action que tu as, enfin la quatrième option que tu as quand tu dois faire ça, c'est qu'à la place de placer une tuile, tu peux utiliser un marqueur investissement. Tu en as 3 au début de la partie. Et tu peux, à la place de prendre une nouvelle tuile, placer ton marqueur investissement sur une tuile qui existe déjà. Qu'est-ce que ça va faire ? Eh bien, ça va provoquer une seconde fois l'effet qu'a eu ta tuile quand elle s'est posée. C'est-à-dire que si elle te rapportait, par exemple, celle-ci, elle te rapporte, le parc municipal me rapporte plus un point de réputation, donc ça fait monter ma piste de réputation de 1 pour chaque usine et habitation adjacente. Donc si, par exemple, je la provoquais une deuxième fois, j'aurais un point pour chaque. Parce que le truc des cartes, c'est quand tu le poses. Oui, alors ça, je vais y revenir. Okay. Après, je vais y passer du temps. D'ailleurs, la mise en place de départ, elle a déjà fait ça. Je m'explique. Si tu regardes les tuiles, celle-ci, elle ne fait aucun effet. Mmh. Elle te fait 2 de population. Mmh. Ok. Donc, mettons, j'aurais mis 2. Je vais les faire de haut en bas. Oui, oui. Non, pardon. Oui, 2 de population. Donc, nous avons 2 de population là-haut. Vous ne le voyez pas, mais il y a 2 de population. Ici, nous avons le parc municipal qui ferait moins 1 de revenus et plus 1 de réputation pour chaque tuile adjacente de type industrie, habitation et boutique. Donc, j'aurais eu, normalement, plus 2. Sauf que je fais la dernière, plus 1 de revenus, parce que c'est un site industriel, ça me rapporte de l'argent, et moins 1 de réputation pour chaque bâtiment gris ou bâtiment vert adjacent. Donc, ça redescend de 1. Donc, normalement, j'aurais dû arriver là. Mais pourquoi t'es grimpé de plus 2? Ah oui, oui, c'est vrai, c'était juste 1 et 1. Donc, voilà. Et donc, on arrive à... Ah oui, mais c'est parce que je partais de 0, ça fait plus 2, moins 1. Voilà. Et donc, ça fait que la mise en place de départ, en fait, elle a déjà pris en compte tout ce qui se passe sur les tuiles. Si, je vais vous faire un exemple de pose de tuiles, pour que vous compreniez comment ça se passe. Ça, non, hein. Quand on prend une tuile, on va devoir faire ça. C'est-à-dire qu'on a un petit plateau qui vous rappelle le truc. On paye son coût. On ajuste selon l'effet immédiat apparaissant dans le coin supérieur droit. C'est-à-dire qu'ici, ça va nous dire, par exemple, que ce bâtiment, des immeubles de bureaux, me font tout de suite plus 1 de revenus supplémentaires. Pouf, j'augmente mon revenu. La deuxième chose, c'est ajuster selon l'effet conditionnel apparaissant au bas de la tuile. Donc, quand je vais poser ça, on va regarder la petite phrase qui est écrite en bas. Et il y a écrit plus 1 de revenus pour chaque bâtiment immeuble bleu adjacent. Il n'y en a pas, donc là, je n'ai pas de revenus. Plus tard, si je pose un bâtiment bleu à côté, l'effet de la tuile va se réactiver. Ah. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Et c'est rappelé juste ensuite, puisque c'est bien marqué. Ajuster selon l'effet conditionnel apparaissant au bas de la tuile, puis ajuster selon l'effet conditionnel des tuiles adjacentes. Donc, certaines tuiles adjacentes pourraient avoir un effet sur cette tuile-là. Et ça va sans arrêt. Et après, il y a vérifier auprès des autres, ajuster selon l'éventuel effet conditionnel des tuiles non adjacentes. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des endroits, des tuiles qui vont dire pour chaque bâtiment bleu, augmenter, tac-tac. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu regardes l'effet que ça a sur l'entièreté de ta ville. Ensuite, tu vérifies auprès des autres joueurs si certaines de leurs tuiles entraînent des ajustements chez vous. C'est-à-dire que par exemple, il y a des restaurants, il y a une tuile, c'est la tuile restaurant. Quand tu l'as construite, tu as un certain revenu, mais à chaque fois que quelqu'un d'autre construira un restaurant, ton revenu va baisser. Bah oui, c'est la concurrence. Plus il y a de restaurants, plus on se partage la clientèle. Enfin, la dernière chose, c'est on vérifie auprès des autres joueurs si la tuile a une incidence sur leur bourg. C'est-à-dire qu'inversement, ma tuile peut avoir une incidence chez toi. Et en fait, on a un fonctionnement comme ça. Donc là, c'est rappelé, c'est très détaillé, c'est un peu pour aider les gens à se souvenir qu'il faut penser à tout. Mais oui, on ne réactive pas, on réajuste. Effectivement, Rachou, tu as raison de préciser, c'est plutôt ça le bon terme. Donc c'est, si je rajoute, on ne recompte pas tout depuis le départ, on recompte juste par rapport à la tuile que je viens de rajouter. Exactement. Et donc, on va partir de cette tuile, faire tout ce qui est sur la tuile, les tuiles adjacentes, les tuiles de toute sa ville, puis les tuiles de la ville d'à côté, et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça qu'on va faire. Ensuite,
On vous expliquera les tuiles au fur et à mesure qu'on les prend, etc. On ne va pas toutes décrire. Mais là, vous savez juste que... Mais il y a écrit à chaque fois, ça, c'est deux par machin. L'effet immédiat, ça, c'est le coût, ça, c'est le type. Elles ont parfois des petits dessins qui vont avoir des effets sur d'autres tuiles. Et un effet, donc, conditionnel en fonction de ce qui se passe sur le reste de la vie. Je repose cette tuile là-bas. Donc ça, c'est la première chose qu'on va faire. On va placer une tuile bâtiment, etc. Ou un marqueur investissement. Quand on place un marqueur investissement, donc on a le x2, alors je précise, ça va reprovoquer l'effet de la tuile. Par contre, ça ne reprovoque pas les effets adjacents. C'est-à-dire que si des tuiles adjacentes, c'est pas comme si je venais de poser une nouvelle tuile verte, c'est normal. Mais, si ça avait été sur celle-ci, par exemple, ça veut dire qu'à partir de maintenant, celle-ci me ferait plus 2 pour chaque truc adjacent. Ah, d'accord. Quand tu le poses, c'est que du coup, ça change. Quand tu le poses, ça reprovoque. Puis, après, tout le long, toute la fin de partie, j'aurai à chaque fois l'avantage de cette tuile. Ça le reprovoque et après, ça multiplie. Oui. Ok, d'accord. Je réexpliquerai si c'est pas très clair. Non, mais ça va, c'est bon. Mais c'est... Voilà. Ensuite, on va collecter, ça c'est chacun son tour à chaque fois, donc on collecte ou payer de la monnaie en fonction de nos revenus, donc on va regarder nos revenus et on va faire un revenu, là je suis à 1 par exemple, donc normalement je suis à 0 donc j'aurai rien, mais bon, voilà, je suis à 1, je prends 1. Si j'étais en négatif, je devrais payer à la banque. Ensuite, j'ajuste ma population, je regarde où j'en suis sur ma piste de population et hop, je vais ici et j'ajuste sur la piste de population. Si jamais... je dépasse une ligne rouge ou même deux lignes rouges parce que ça peut arriver qu'on en dépasse bien plusieurs sûr, dans le même tour sûr. Et bien à ce moment là on descend de 1 ici ouais hein, c'est dur on va descendre ici de 1 hop hop chaque marqueur et si on fait deux lignes c'est deux fois c'est pas ah j'ai passé deux lignes c'est super je vais descendre qu'une fois non non c'est deux fois. Voilà, donc ensuite quand on a fait tout ça, eh bien, on va ajouter une nouvelle tuile sur le marché de l'immobilier, c'est-à-dire qu'on décale tout vers la gauche et on ajoute une nouvelle tuile. Quand les tuiles A sont finies, on ajoute des tuiles B, et ainsi de suite. Ici, à un moment, on va croiser une tuile qui s'appelle dernier tour. C'est la fin. On aura alors un dernier tour et on fera le décompte final. Le décompte final, c'est... on ignore les lignes rouges durant le décompte final. C'est-à-dire que tout ce qu'on va monter grâce aux objectifs, parce que je n'ai pas encore parlé des objectifs, ça va nous faire des points et on n'aura pas à redescendre le revenu de réputation. Mais, j'ai oublié d'en parler, mais j'en parle maintenant. Nous avons des tuiles objectifs au début de la partie. Je crois qu'on doit... Je regarde, je ne sais plus si on en prend deux... Voilà, on en regarde un et on en défausse un. Pardon, on en regarde deux et on choisit celui qu'on veut et on défausse l'autre. Et il y a des objectifs communs qui sont au centre. Donc là, par exemple, celle de nous deux qui aura le moins de tuiles au lac. Parce que je crois que les tuiles comme ça, effectivement, c'est les tuiles Parce qu'il y a écrit aquaphobe en dessous. Oui, oui, mais je sais pas si c'est les tuiles... alors ça, les tuiles, tout ça, c'est... Oui, c'est les lacs, voilà. Donc celui qui aura mis le moins de lacs, c'est-à-dire retourner le moins de tuiles sur son terrain, il aura 20 points. Et il faut que je regarde en cas d'égalité. Et celui qui a le plus de tuiles vertes, de tuiles habitation, donc là on va faire du monde, il aura la tuile bâtisseur. Et on a aussi des objectifs personnels. Je m'en vais vous montrer les miens, je ne vais pas les dire à voix haute, je vais en choisir un. Oh là là, oh putain les deux sont durs, regardez, c'est pas très marrant. Vous voyez ce que ça veut dire, ces deux pistes-là. Donc ça veut dire... Pff, c'est chaud. Hein. Je vais prendre ça. Mais ça va être chaud. Ça va être chaud. Parce que c'est un objectif qui est un peu à contrario avec l'instinct qu'on a de faire de quoi faire dans une partie comme ça. Puis ça... on va essayer. On va essayer. On va miser sur le fait qu'elle va bien jouer. Choisir revenu. Ah, faut qu'on en choisisse, on peut pas garder les deux. Mais je suis moins sûre qu'elle fera bas. Je suis sûre qu'elle va faire haut dans l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Moi je compte sur elle. Oui, t'en choisis. Ah, on a choisi qu'un. Ouais. Bah, c'est difficile de se choisir là tout de suite. Pour à la fin, le joueur ayant la population la plus importante remporte la partie. Et en cas d'égalité, c'est celui qui a le plus de réputation. Ah. Ah.
Et ta monnaie à la fin, c'est de la population. C'est de la population. C'est 5 argent, c'est une population. D'accord. Je vais pas mentir, l'argent, c'est pas facile dans ce jeu. Oui, j'ai bien compris. Qu'est-ce que je prends ? Alors, attends, je regarde pas. Bah oui, c'est bien ça. Que ça. Elle dit, tu vas te prendre 20 points, il n'y aura pas d'égalité. Oh, Racho, elle a clairement une chouchou. Ouais, elle est bien, hein. Et ça, c'est dur quand même. En fin de partie, c'est Marjo qui gagne. En cas d'égalité, c'est Marjo qui gagne, on connaît. Ça, c'est Ludovic Montblanc. J'en ai marre. C'est chaud parce qu'en plus, c'est vraiment pas vrai. En plus, hein, c'est qui fait tout le boulot? Ah bah clairement, c'est pas moi. Alors, ça suffit maintenant. Non, je rigole. Ah, il y en a qui choisissent pour moi. Bon, allez, je prends celle que j'avais prise instinctivement. Et j'espère que ça sera pas trop dur. Et j'espère qu'elle va faire mieux que moi. Merci Arvino, ça fait plaisir. Je vais lancer effectivement, une fois que la partie sera un peu démarrée. Nous avons derrière nous l'autre livret du jeu qui est... Une aide sur toutes les tuiles, ouais. Si jamais on a un petit souci. Bon, a priori, elles sont plutôt très claires. Hein. Ça, c'est marrant, ils ont mis les 20 objectifs, mais... Rien d'expliqué. Non, c'est parce qu'ils sont clairs, ils sont assez clairs, mais c'est pour que toi, tu puisses stratégiquement te dire... Là, il y en a déjà deux. Parce qu'elle est intelligente, quand même. Non, vraiment pas. Mais alors, Delcarisa, non, c'est plutôt simple. Enfin, je veux dire, oui, je comprends que ça puisse avoir l'air compliqué, mais ça l'est pas du tout. Là, j'ai pris le... En gros, on achète une tuile, on la place sur son terrain, et on fait tous les effets de la tuile. Et c'est chacun son tour. Il n'y a pas plus simple que ça. Donc, qui commence? Moi? Je sais pas s'il y a un avantage de premier joueur. Elle fait traîner le début de partie, l'objectif étant que Marjo s'endorme avant la fin. Je pense que c'est une bonne technique, ça. Bah, elle est presque arrivée à ses fins sur celle-ci, là. Il est 22h. Non, il est 21h47. Je regarde si t'as un avantage. Ça me fatigue. Pourquoi j'aurais un avantage? Parce que t'es deuxième joueur. Ah. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Le top avec une Aqua Alta, au moins la vie. Parce qu'il y a... Enjoy qui va à Venise et elle disait j'espère que c'est bien en hiver. Venise c'est très bien en hiver. Moi je préfère l'hiver à l'été. Pour bien sûr, c'est beaucoup mieux en hiver qu'en été. Par contre, c'est vrai qu'il y a des aqualta. Moi j'en ai vécu une, j'avais de l'eau jusqu'aux cuisses. Par contre, ça caille. Hein. Mais c'est super. Venise en hiver c'est super. En été c'est l'enfer. Voilà. Sur ce. Go. Oui, bah go, bah go, bah super, go. Eh bien, je vais aller... Du coup, alors, ne vous moquez pas trop, parce que... Hein, je vais aller me prendre un parking, dis donc. Ah non, mais ça coûte 12. C'est une fortune. Mais c'est bien, faut dire, des parkings. Bah, ça a l'air, en tout cas. Bah ouais, c'est super. Hein. Je veux des sous. Ouais, bah, je m'en fous, allez, j'investis. 12. Je suis fauchée, ça y est, c'est parti. J'ai 1 de revenus. Et je l'ai mis là, pourquoi? Alors, elle me fait 1 de revenus immédiatement, c'est des parkings. C'est bien les parkings parce que ça me fait plus 1 pour chaque tuile grise et tuile bleue adjacente. Donc là, j'ai un parc municipal qui me fait donc plus 1. De revenus immédiatement. Et là, j'ai fait une connerie. Mais là, j'ai plus 1 de population pour chaque tuile bleue adjacente. Donc maintenant, celle-ci va me faire plus 1 de réputation également. Et ça, c'est bien. Et c'est tout. Donc là, on fait comme ça. Exactement. On ajuste le marché. Alors moi, je peux avoir le truc avec les tuiles parce que je voudrais savoir. Ça, c'est 2€ de plus pour chaque lac. Alors, adjacent à cette tuile ou n'importe quel lac? 2€ de plus pour chaque lac adjacent à... Non, mais c'est pour tous les en fait. C'est pour tous les lacs que je poserai. Ouais. Ok. Non.
2€ de plus pour chaque adjacence lac à, voilà. Oui, mais pour tous les lacs que je vais mettre ou seulement les lacs je qui pense. Vont être adjacents je à ma pense. Villa je pense. Ben, je vais aller vérifier. Vas-y, c'est... Eh, j'aime bien poser des questions chiantes. Bah, parce que ça change tout. Si c'est tous les lacs, c'est intéressant. Tant pis, aquaphobe, tu vois. Alors, prenez... Ah, ben, c'est celui que... c'est le plus compliqué. Alors, prenez 2€ à la banque pour chaque tuile industrielle, administrative, résidentielle ou commerciale adjacente à chacune de vos tuiles lacs déjà dans votre bourg. En plus des 2€ que vous avez déjà gagnés pour ces adjacences grâce à l'effet des lacs. Donc en gros, tu ça vas n'a... doubler. Oui, mais ça n'a désormais, aucun une... placer une tuile industrielle administrative à 1 vous rapportera 4€ au lieu des 2€ normalement gagnés grâce au lac. Non, okay, c'est énorme, là, c'est voilà, hyper puissant. Oh, je suis dans la merde. J'ai bien fait de ne pas prendre d'autres objectifs. Alors, je fais ça et... Je l'avais pas vu. Du coup, pour l'instant, ça, en fait, en soi, je le mets n'importe où. Ah, il faut que je paye quand même, hein. À un moment, personne ne m'arrête. Alors, par contre, je fais ça... Ah, merde. Ah, la merde. Quoi? Parce que si je le mets adjacent à mon parc, ça va me faire moins un de revenu. Et je suis à zéro, déjà. Quoi, moins un de revenu? Ben, ça réactive pas ce truc-là. Ok, mais non, non. Ah, d'accord. Ça, c'est juste à la pose. Ok. Donc là, tu poses ta tuile. Ça te fait un truc immédiat ou pas? Non. Non, ça me fait que et donc, juste par que contre, t'as 2€. Mais j'ai aucun lac, là. Ah oui, t'as pas de lac. Bon, on verra. Mais ça va venir, ça va venir. Qu'est-ce que... Ah, prédiction. Oui, oui, prédiction. Regarde-les. Ils sont fous. Ça vient, ça vient. Ils veulent gagner des points de bits grâce à toi. Ah, mais par contre, c'est surtout que j'ai pas changé la caméra. Pardon, excusez-moi. Mais vous ne voyez rien. Ouais, ils ont pas vu, ils ont pas vu. Pardon, excusez-moi. J'ai lancé, j'ai trouvé. J'ai lancé, j'ai trouvé. Alors, ah, t'as fait une prédiction, c'est génial. Qui construira la meilleure ville? Qu'est-ce que t'as mis comme nom? Pénélope, Marjorie? Tu peux faire des blagues, t'as le droit, c'est même conseillé. Alors, oh, elle a fait une prédiction qui dure combien de temps? C'est bien, bah, elle s'est pas gourée comme toi, quoi. Non, mais Pénélope, c'est la... Spécialiste, je fais une t'as prédiction. Décalé. Ah, vous avez 8 secondes. Alors. Ah. Ça fait pas lourd au début, mais ça peut être bien avec le temps. Ça fait tes revenus? Non, je crois pas. Non, c'est pas là qu'on fait ses revenus. C'est à chaque tour 2, et du coup, je prenais 2, bien sûr. Et donc, toi, t'as fait tes revenus? Bon, moi, j'ai 0, donc... 0 et 1? T'as pas bougé. Ok. Non. Moi, ça m'a fait des sous. Ça me fait 6. C'est pas beaucoup, hein, 6. Ça fait pas des masses. Oh là là, je la veux, cette tuile. Elle coûte 6. Ah non, mince, ça me faisait 2, ça. C'est grave. Bah, ça te fait prendre 2 ici. Ok. C'est où que ça te faisait 2? Bah parce que j'ai mis un truc comme ça adjacent à ça. Donc plus 1, juste. Oui, mais tu pars de 1, donc ça. Ah oui, c'est ça. J'étais à 2. Ah oui, mais donc... t'avais même pas pris rien. T'avais... Bon, d'accord. C'est 1 que ça te faisait, donc tu prenais 1. Ah, ça suit, hein. Ça suit. Mais pourquoi tu m'as fait prendre 2, du coup? Non, mais parce que t'as 2 de revenus, donc tu prends 2. Mais tout à l'heure, t'as dit je prends rien, mais si, tu prenais 1 quand même. Donc normalement, t'aurais dû prendre 1 au moins. Oui, oui. Sous, ça, moi, ça me fait très envie. Par contre, c'est bien, mais ça me coûte 6, donc après, j'ai plus que 6. Ça, ça coûte 7, ça coûte 9. De toute façon, c'est la moins chère. Je prends ça. Hop. Et je vais la mettre... ça va pas du tout, mon affaire. Je vais la mettre là, quand même. Pour le moment, et donc je commence très très bien ce que vous savez, mais je vais avoir là d'abord j'ai un de population en plus, donc je monte ma population. En deuxième, je regarde ici, j'ai 2€ pour chaque maison, et donc là j'ai 2 maisons. Est-ce que ça compte? Alors d'abord je la paye déjà parce qu'on n'est pas des sauvages. Est-ce que ça compte la maison sur laquelle ça se situe? Oui, je crois. Ah non, c'est un syndic. Oui, mais si, c'est une tuile maison, donc j'ai 2. J'ai 4. Ça me rapporte 4.
Ensuite, nous avons plus 1 pour chacune des trucs verts adjacentes. Donc celle-ci, elle me fait plus 1 en réputation. Et c'est tout. Il n'y a pas d'autre effet que ces adjacences-là. Je reviens sur le plateau général. T'as refait le truc. Je fais mon revenu. Je prends 2 de population. 3 de population, putain. 1, 2, 3. Et 2 de revenu. Et c'est à toi. Bon, moi, je crois que je vais faire ça. Hop. Et je le lac. Et si je le mets là, ça me fait 4, 8, 12. Alors, quand tu la poses... Oh là là. Effectivement, t'as 2 euros pour chaque... Ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc ça me fait 12. Non, ça te fait... Ouais. Ouais, ouais, ouais. Si, ça me fait 12. Ouais, ouais. Non, ça te fait 12. Et là, par contre, ça me fait... plus 1 pour chaque comme ça adjacent. Attends, excuse-moi. Là, je réactive. Oui. Ça, je le réactive. Mais ces deux trucs, je les ai déjà comptés. Je recompte quand même. Donc, ça, t'as fait. Ok ? Tu viens de faire 2 euros avec ça. Non, mais oui, je suis passée sur la tuile d'après là. Donc maintenant, ça, t'as plus 1 pour chaque. Non, juste t'ajustes. D'accord, ok. Tu reprovoques pas, tu réajustes. Ok, donc je touche à... Ça fait pas pour les lacs ? Non, ça fait pas pour les lacs. Non, je touche à rien. Ok. Tu fais ton revenu ? De 0. Ah, et je prends 2 bonhommes. Tu prends 2 bonhommes. Ok. Au revoir à Aquaphobe, hein, clairement. Ça me va. Mais il faut quand même un peu rééquilibrer tout ça. Il va falloir de l'argent. Where is the money? Et combien j'ai? Je pourrais faire des industries. Pardon, excusez-moi, vous voyez pas. Je pourrais faire des industries. Là. Parce que les industries, ça fait un peu... baisser la réputation, ça ralentit les gens et ça fait un peu d'argent en plus. Ça peut se compenser avec ça. Ou je fais un lac. Maintenant qu'elle en a fait un, je peux aussi faire un lac. Alors, tu l'as pris où, ton lac ? Sur la pile A. Ah ben non. Non, j'ai pris ma ferme que j'ai retransformée en... Voilà. Après ça. J'ai pris la ferme que j'ai payé donc 0 parce que c'était plus 0. Et ben je vais prendre ça, je vais faire un lac également pour faire des sous. Et je vais la mettre là comme toi. Mais moi ça me fera pas tout ça. Pour le moment, on va juste essayer de renflouer un peu les caisses. Du coup, ça me fait 2 euros pour chaque truc adjacent, vert, gris et jaune. Donc je prends 6 moi. J'ai déjà ça, hein. Pas pleurer. En revenu, j'ai 2, donc je prends 2 de plus. Et je prends 3 de population. On est là. 1, 2, 3. Ok. Moi, pour 9, j'achète un immeuble de bureau qui fait que je gagne un de revenu. Si je le pose là, je gagne un revenu en plus. Et je réactive mon lac. Où est-ce que tu fais un revenu en plus ? Ben là, je gagne un revenu. Et là, un pour chaque truc adjacent. Et ça, ouais, c'est adjacent. Tout à fait. Donc, ça me fait 2 revenus. Et là, et je réactive 2. 4. Ah ouais, 4. Putain. Ce truc-là... Ça va être compliqué. Okay. Donc, en revenu, je prends 2 et je prends 2 bonhommes, s'il te plaît. Comment je vais me faire rouler dessus ? Ça va être simple. Cette tuile-là, je l'ai pas vue au début. Mais je ne m'avoue pas vaincue. Je ne m'avoue qu'il n'est pas perdu, elle est quand même pas. Tu vois, j'y crois encore. Hein, on est vivant tant qu'on n'est pas mort. Mmh. Alors... Mmh. Oh.
Bon, allez, je prends une supérette. A6. Que je pose ici. Le parking, il est à côté de la supérette. T'as vu, il y a même... Les... Ah, j'avais pas remarqué, mais les routes collent bien, en fait. Quand tu regardes, ça fait vraiment un dessin. C'est le lac qui fout de la merde à mort. Ouais. Je prends une supérette qui me permet d'avoir plus un de revenus et qui me fait plus un de revenus pour chaque... Ah, c'est le parking qui se réactive. Donc, j'ai 4 de revenus. Je prends 4. Je monte de 3. 1, 2, 3. Et... Voilà. Ok. Moi, je l'attends. Je vais dépenser 15. Oh mince, vous avez pas vu. Je suis désolée. Moi, je l'attends. Je l'ai mis là, ma supérette. Je vais dépenser 15. Pourquoi tu laisses pas comme ça? Parce qu'on voit pas très bien. Moi, je dépense 15 pour acheter une banque centrale. Ça me fait 3 de revenus. 1, 2, 3... Et je le mets là. Alors, si je fais ça, ça ne me réactivera pas, mais c'est pas grave. Et je gagne 2 par truc. Ça, ça compte aussi ou pas? 2 par truc. 2 par bâtiment gris. Alors, quand Marjo est fatiguée, il y a un moment où tous les mots... Moi, j'ai mais parce que j'ai pas, je n'ai pas le terme. C'est comment... Des bâtiments gris. Non, mais ils ont un vrai terme. Bah déjà, bâtiment gris. Oui, mais vu que c'est pas le vrai terme. C'est culture, je crois. C'est vraiment les bâtiments culturels. Culture, la banque centrale, elle est culturelle. Non, mais c'est les bâtiments, c'est l'administration. Mais qu'est-ce que c'est que ta ville? Ah, je ne sais pas. C'est... Ah, pour aller à la culture. On va se culturer à la banque, non? Mais non, mais t'as les bâtiments de commerce, ouais. T'as les bâtiments d'habitation, et ça, c'est tout ce qui est parc, musée. Ok, bon. Bah, donc, je construis une banque centrale qui me rapporte 2 dollars pour chaque bâtiment gris. Est-ce que celui-ci compte ou oui, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Pour moi, ça compte. J'en prends 4. On prend 4 dollars. Voilà, je prends 4 dollars. Et ça réactive que dalle. Donc, on est bon. J'ai 5 de revenus et 2 bons hommes. Voilà. 5 de revenus et 2 bons hommes. Tu ne sommes pas obligés, mais c'est cool si tu agis. 1, 2... Et 5 de revenus, tu t'es démerdé. Ouais. Alors, je fais glisser tout ça par la droite. Et nous commençons le paquet B. Yes! On n'a pas un rond, mais... Moi, ça va, j'ai des thunes. Et comme de toute façon, je vais passer la ligne... je pense que... j'hésite. En même temps, les bonhommes, c'est quand même ça qui fait les points, quoi. Oui, oui. Mais ça, c'est... ouais, si, c'est 6 tout de suite. Allez, je prends un terrain pour les mobilhomes. Que je paye 4. Que j'ai mis donc ici. Pour pouvoir faire... Bon, ce n'était pas obligé. Hein. Je pouvais... Ah non, d'ailleurs, je vais la mettre là. Hop. Pourquoi? Parce que là, j'ai... Elle me fait tout de suite 6 de plus. Alors, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je crois qu'on... C'est maintenant, je descends ma réputation et mon revenu parce que j'ai dépassé maintenant. Ensuite, ici, j'ai 2 euros de plus pour chaque maison. Donc, hop, je rajoute, je reprends 2. Parce que c'est un bâtiment d'habitation. Et là, j'ai 2 euros pour chaque maison adjacente. Donc, je reprends 2. Et c'est tout pour le moment. J'ai un revenu de 3, donc je prends 3. Et j'ai une réputation à 2, donc je monte de 2. Et ça, c'est moche parce que je repasse une ligne. Et donc, je redescends à 1 et 2. Dur ! Gros coup dur. Moi, je suis paumée, mais je vais prendre pour 9. Je vais acheter un restaurant gastronomique qui me fait 3 revenus. 1, 2, 3. Il fait de la thune. Il ne faut pas que je construise de resto. Et si je fais ça... Si je fais ça, ça me fait plus 1 là. Bon, j'ai du mal à monter sur les bonhommes, il va falloir faire quelque chose. Hein. Ouais, mais moi je monte trop vite.
Ok, donc en revenu, j'ai 8 et 3 bonhommes, s'il te plaît. En revenu, alors attention parce que t'as pour chaque adjacente, est-ce que t'avais des choses pour chaque restaurant ou pour chaque. Voilà. Non, ça c'est pour les restaurants que je construis après celui-ci. Là, j'ai pris plus 1 parce que j'ai mis un bleu à côté de mon parc et on est bon. Non, non, c'est pas ça. C'est qu'il y a des effets où tu vas avoir, par exemple, ici, tu as 2 euros pour chaque bâtiment bleu. Quand c'est pas spécifié. Oui, adjacent, c'est partout. Mais moi, j'ai le truc non, des non, lacs non, non. et j'ai le truc des... C'est que des fois... Pardon. Excuse-moi, je regarde quelque chose. Je dis peut-être pas le nom des bâtiments, mais... Non, non, c'est que des fois, ça clair. Prend en compte... Voilà. Alors, moi, j'ai fait une connerie. C'est que ça, c'est 2 euros pour chaque maison. Celle-ci, 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 celle-ci. Ah. Ça compte, en fait. Quand à chaque... Donc, moi, j'aurais dû avoir 2 de plus là. Et Ah, et du coup, ben moi, pour ça... Non, parce que ça... là, c'est chacune de vos. Alors, est-ce que c'est... Prenez 2 euros à la banque pour chaque tuile résidentielle dans n'importe quel bourg, y compris celle-ci. C'est ça. Donc, à chaque fois que tu vas construire une maison, oui, je vais prendre 2 balles. D'ailleurs, là, moi, c'est clair que c'est pas ça parce qu'il y a écrit pour chacune de vos. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que j'allais vérifier. Donc, ça, c'est intéressant quand même. Hein. Je crois parce que là, par exemple, la ferme, elle me fait des sous. Pour chaque truc... pardon, je t'ai pas fait monter combien ? 2-3. 1-2-3. Je crois que je vais aller prendre la ferme. Parce que t'as un restaurant. Mais en même temps, ça me fait... Alors, mon restaurant fait que je construirai pas de restaurant. Attends, non, non, la décharge, c'est bien, la décharge, c'est bien. Ou non, pardon, vous voyez pas. Construire autour, quoi. Ça, c'est chiant. Par contre, il faut que je pense à revenir là. Donc, la décharge. Donc, c'est ce que j'ai précisé, c'est que dans les villes, il faut, si on a chaque et pas spécifié dans votre ville ou adjacente, c'est que c'est toutes les villes autour de la table. Donc là, la décharge, ouf, il faut la mettre loin. Parce que moins 1, c'est chaud. Hein. Ouais. Ça tire plus personne, quoi. Par contre, c'est pas mal, ça fait plus 2 de revenus et ça coûte 4. Je vais payer 4 et je vais mettre ça putain par contre là non là vraiment au bout de la supérette ah, ça me fait chier c'est pas assez loin ça c'est pas mal alors attends parce que ça c'est pas mal je vais la mettre là à côté du lac sympa. J'ai plus 2 tout de suite de revenus. J'ai moins 1 pour chaque tuile jaune adjacente, mais ça, ça ne compte pas. Donc, parce que l'air s'en va dans le lac, ça ne pollue pas. Donc, j'ai moins 1 de réputation. Et j'espère que je ne vais pas trop construire par là après. Il faudrait que je fasse un autre lac ici, en fait. Mais comme elle fait pour plus de lacs. Et donc, je fais mon revenu, je prends 4. J'ai payé la tuile, là ? Je ne sais pas. Vous je m'avez crois, vu payer la tuile ? T'as payé, je crois que tu as payé. Merde, vous ne pouvez pas me voir payer la tuile. C'était que 4, tu avais des sous, hein ? Ouais, ça me semble beaucoup. Mais j'avais bien de la thune. Mmh. Tu avais plein de pièces de 1 pour moi, donc j'aurais dit que tu avais payé. Mais... T'as combien, là ? J'ai 11. Ouais, c'est pas déconnant. Et j'ai donc pris mon revenu de 4. Et je ne prends pas d'habitants, puisque ma ville est plus très agréable à vivre. Pas de soucis hein, pour le pas suivi des soleils, mais je ne sais plus si j'ai payé. Quelqu'un a la VR. De toute façon, la caméra n'était pas la bonne. Hop. À toi. Ben non, tu fais pas ton revenu ? Ben, je l'ai fait. T'as pris 4 pièces et... Oui. Ah, ok. Ah oui, donc tu payais 4 pièces et t'en prenais 4. Non, je prenais 2 de revenus. J'ai pris 2 de revenus. Oui, tu as pris 2 de revenus, mais tu as payé 4 pièces et tu as pris 4 pièces. Mm-hmm. Oui, oui, non, c'est bon.
Bon, bah moi je vais faire ça, écoute. Non, pas de limite de nombre de tuiles posées. Tu fais quoi ? 7, 8, 9, je prends un fast food. Ça me rapporte plein de bonhommes si je le mets à côté de forêt, là. Bah, alors c'est pas de forêt, mais de, c'est en gros oui, les gens. Alors faut se raconter un peu l'histoire. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, les gens ils aiment bien être à côté des fast food. Fast food, c'est honteux, mais. Mais donc t'as pas de village là ? Bah, t'as pas d'habitation ? Je vais en créer, je vais en créer. C'est juste que si je le mets là, je me laisse faire... Alors, le truc du programme fixe, ça a pas mal changé. Mais... Je peux claquer le truc là comme ça ? Je peux mettre ça comme ça ? Oui. Ok. Donc, je fais 1 de revenus. Du coup, je gagne 9 de sous et 3 de bonhomme. 1, 2, 3. Tu baisses ton revenu. Tout à fait. Le cinéma est sorti. Nous avons un magnifique cinéma. Alors, qu'est-ce que je vais aller me prendre ? Besoin d'argent, besoin d'habitants. Oh là là, c'est cher ça, 16. Ouais, c'est hyper cher, je le voulais, mais hein, vraiment. Hein. Deux pour chaque truc bleu, par contre. Hein. Dans tout le truc, hein, moi j'en ai déjà quatre. Hein. Oh là là. Croyez-le pas, mon objectif, c'est pas d'avoir du bleu. Il me manque un. Putain. Pourquoi il te manque un ? Ah oui, 16, 17, 18. Ouais, et c'était bien pourtant, parce que ça me faisait tout de suite des sous. Ça, c'est 17, deux pour chaque truc adjacent. Par contre, j'en ai un peu marre d'avoir moins 1 en répute. Il faudrait un petit peu de plus 1. Y a ça qui me fait. Éventuellement remonter. Ah putain. Et... Oh, je suis deg de ne pas avoir le 1 en plus. Puis là, ça va glisser. Non, il ne faut pas que je prenne là. Sinon ça... Moi, j'ai que 11. Hein, donc... Ouais. $7, $14, $15, oh, putain c'est cher. Ouais mais si je dépense pour ça, c'est la merde. C'est la merde. On va prendre... Non, je vais faire un truc de ça là. Vous savez, je vais faire ma tuile. Ah ça c'est à la place de prendre une tuile, oui. Tu poses ça. Okay. Et je le mets sur... Ici, mon parking. Ou mon lac. Mon lac, ça me fait des sous tout de suite. Parce que toi, tu vois, si tu redéclenches ton lac, là, il fait 4, 4, ouais. 4, 4. Hein. Ouais. Et si je fais un x2 là-dessus, il me fait 8. 8, 8, 8. Non, 6, 6, 6, 6. Oui. Il te fait... Il compte tes deux... Non, il te fait... non, c'est... Non. Non, ça redéclenche, mais ça fait pas... Mais ça, c'est... ça, c'est quand je mets un lac. Alors, ça, ça veut dire que quand... Ça, ça veut dire que tout de suite, tu vas faire 2 euros de plus. Non, ça va pas faire d'effet immédiat. Oui. Si je réactive mon lac après, oui. Ça me ferait 6 ou 8. 8. Non, ça ferait 4 de plus. Ça ferait 2 de... Ça ferait 6. 6. Ouh, ça serait vénère pour moi. Ça serait... Parce que ce serait vrai vénère. Pour tous les lacs que je construis. Là. Ouais. C'est très, très, très vénère. Elle met un niveau... Bah, sinon, je fais ça. Ah, mais t'as quasiment pas de truc, là. Mais si, je vais faire ça. Je vais faire ça. Donc, j'ai 2 euros pour chaque maison. 1, 2, 3. Ça fait 6. Et toi, t'en as une, ça fait 8. Donc, je prends 8 d'argent. Et à chaque fois que tu vas poser une maison, si tu finis par en poser une un jour, j'aurai 4 de thunes. Mais il faut que je repose. Il faut que tu réactives la thune. C'est pas à chaque fois que j'en pose une. Ça va, les yeux, là ? Ça me gratte. Mais on est d'accord. Moi, je dois défausser une thune. Ça va te faire des sous.
Si tu poses de l'habitation. Non, si je pose et que tu réactives ta tuile. Non, non, c'est, j'ai 2 euros pour chaque maison à chaque fois que tu poses une maison. Mais à chaque fois que tu réactives. C'est pas. Non, ça, c'est tout le temps. Et c'est, en gros, on regarde les effets que ça va avoir partout. Donc à chaque tour, tu fais 8 euros. Mais non. Si tu poses une maison. D'accord, c'est pour les nouvelles. Je vais marquer 4 balles. Ok, vas-y, c'est à toi. Important. Fini ton tour. Oui, je sais plus. Quand je prends un truc comme ça, faut que je défausse. Quand tu prends quoi ? Un marqueur investissement. Je choisis une tuile du marché immobilier et je la défausse. Ah. Je vais défausser ça. En payant le coût de la tuile, je crois. Ah ouais, tu payes aussi. T'es sûr que tu veux prendre ça, du coup ? Oui, oui. Ben oui. Ben là, je vais te rendre service, mais... Il se trouve que... Ah putain, si je fais ça, je vais remonter. Non, j'ai de la marge. Donc, je vais payer 3. On va prendre lui. Yay ! Elle prend un faubourg. Donc, je vous mets chez elle, mais ça veut dire que moi, cette tuile se reprovoque. Donc, j'ai 2 euros pour chaque maison. Et ça fait donc 4 balles pour ma gueule. Ouais. Et ça, ça s'annule en fait. Et du coup, je vais le mettre là. Donc, je prends 2 bonhommes plus 3. Je prends 5 bonhommes là. Alors. Parce que là, j'en prends 2 et 3 parce que je mets un truc adjacent. Tout à fait. Et je grimpe d'une réputation, mais je descends d'une réputation. Donc, je ne fais rien au niveau de la réputation. Je prends juste 5 bonhommes, s'il te plaît. Tout à fait. 1, 2, 3, 4. 5. Okay. Et maintenant tu fais ton revenu, tu voilà, prends 8 d'argent. C'est beaucoup d'argent. Et 2 bonhommes. Est-ce que j'avais fait mon revenu là ? Oui. Ah merde ! Et 2 bonhommes, tu passes une ligne, donc tu redescends. Tuc. Dame Ned. Tu redescends ton revenu. Ok, à toi. À moi ! T'as fait quoi là comme action ? J'ai fait ça. Ouais, tu dois quand même défausser une tuile, il me semble. Ah oui. Et payer le coût. Bah tiens, je fais ça et je paye 0. Pardon, je vérifie, mais... Oui, parce que c'est pour respecter le nombre oui, de tours. Oui, c'est ça. Oui, oui, tout à fait. Eh bien, je vais payer pour la plateforme. J'ai tout donné pour ça. Bah oui, je te l'ai laissé, t'as vu. Ouais, c'était sympa. J'ai apprécié, t'as vu. Il me coûte que 16. Ça, c'est bien. Et... Tu peux avoir les tuiles, s'il te plaît. Ah oui, ça ouais. N'est pas les tuiles, donc le manuel. Oui, l'explication. Donc ça, je vais le fabriquer ici. Et il se passe plein de trucs. Quand je fabrique la plateforme d'expédition ici, j'ai d'abord plus 1 de revenus. Puis j'ai 2 euros pour chaque bâtiment bleu. 1, 2, 3. Et chez Marjo, il y en a 4, 5, 6, 7. On est d'accord ? J'en ai 4, moi. Oui, t'as 4 bâtiments et 3 chez moi. Donc, je fais 7 x 2, 14. Je prends 14. Ça, c'est pas mal. Je me suis presque remboursée de mon investissement. Ensuite, ici, j'ai plus 1 de réputation pour chaque bâtiment bleu adjacent. Mais, et donc, je viens d'en poser 1, je prendrai plus 1. Mais ici, j'ai moins... Ah non, bah c'est bon, ça marche. Hop. Donc, je reprends un point de réputation. Ça, c'est bien. Le moins 1 ne prend pas compte. Et là, j'ai plus 1 de revenus pour chaque bâtiment bleu adjacent, ce qui fait que je monte d'un revenu. Tout va bien, c'est parfait. J'aime beaucoup ma ville. Je vais pouvoir récupérer maintenant mon revenu qui est de 6 et 1 point de population qui me met donc à égalité avec Marjorie sur la piste là-haut. Hop. Vous êtes 93, ça fait chaud au cœur, merci beaucoup d'être là. Enfin, peut-être que vous n'êtes plus 93 depuis des plombs, mais vous l'avez été à un moment, c'était déjà bien. Comment vous allez ? Est-ce que ça vous plaît ? Go, alors, go, go, Pénélope ! Oui ! Eh ben moi, je vais faire ça, c'est-à-dire que je vais faire ça et je vais virer ça. Donc j'ai rendu encore plus rentable ma villa sur le lac, là. Villa avec vue sur le lac fait que quand j'active un lac, ça me rapporte 6 par tuile.
Oui, ça c'est quand t'actives un lac par contre. Ah oui, pour l'instant ça, je gagne quand même 7 parce que j'ai mon par contre si tu réactives le... Et un monum. Par contre, il faudra que tu mettes une tuile là pour que ça puisse se réactiver. Là, oui, là ou là. Oui, non, mais si tu mettais un x2 là, tu comprends que t'aurais un truc monstrueux si tu mets un x2 ici. Oui, oui, mais je vais pas perdre un tour pour mettre un x2 ici. Ah bah alors, je te dis juste, ça te ferait x2 le 2. Donc ça ferait 8 par truc. Non. Oui, c'est ça. Et t'aurais 8, et tu le redéclencherais tout de suite. T'aurais 8, 8, 8, 8. Oui, oui, mais bon. Bon, bah si jamais t'as besoin de sous, tu sais où en trouver, quoi. Et donc, tu m'as grimpé de un bonhomme, je crois pas. Non. Hop. Et moi, je vais aller me prendre... C'est bien, ça. À 7. Moi, je vais piano Messano. Je prends cette tuile que je vais mettre ici. J'ai donc un habitant pour chaque habitation. Merci à Jus de Fruits, bienvenue sur la chaîne, merci beaucoup pour le follow. J'ai donc une station service qui me fait un point, enfin une population pour chaque vert adjacent. Donc je vais le mettre tout de suite. 1, 2. Plus 1 de revenu immédiat. Et j'ai 2 ici pour chaque bâtiment bleu que je construis. Donc je prends 2. Ok, et ça, c'est à moi. Une seconde. Je fais mon revenu. 7. Et ma ville prend 1 habitant. Okay. C'est à toi. Moi, pour 6, je prends lui. Donc, je gagne 2. Ça te fait rien quand je construis des bâtiments bleus ou des bâtiments verts parce que... Non. Ok. Et je construis ça là. Alors, c'est une maison. Oui. Donc, je prends 2 euros. Ok. Je construis ça là. Il me fait moins 1 s'il est adjacent à du bleu. À du gris, mais il n'y a rien. Non. C'est pas gris, ça. Ah, je voyais. C'est oui. Le truc bleu marine. Oui, c'est du... Les buildings. Ils sont loin. Mais j'ai pas de building. Et du coup, j'active mon lac. Et du coup, celui-ci me fait 6. Oui. Ouais, c'est moyen en fait. Faudrait que je réactive le lac. Mais non, il te fait pas 6, il te fait 4. Non, j'ai mis ça. Ah oui, t'as raison, 6. Ah oui, bah non, si tu réactives le lac, c'est violent parce que tu prends tout de suite les sous. Ouais. Et après, à chaque fois, il te fait 8. Non, c'est très très violent comme moteur de sous. Et du coup, je gagne 7 de revenus. Et un bonhomme. Bonhomme, au max. Hein. Ah, c'est vrai. Il faut repayer le prix de sa tuile lorsqu'on met un 2 dessus. Il faut repayer le prix de la tuile. Ah, bah hop. Je paye 6. Merci. Merci. J'aurais dû correction dans la règle. Désolé. Je fais souvent des erreurs de règle, mais... Non, c'est pas facile. Ça changeait rien, on les avait de toute façon. Vas-y, à toi. C'est pas mal, ça aussi. Hein. Je vais prendre le cinéma. Que je paye 10, que je place ici. Et ce cinéma, il me fait plus 1 pour chaque terrain vert adjacent et plus 1 de base. Donc j'ai eu 9 de revenus. Et comme c'est du bleu, j'ai un 2 pour chaque bâtiment bleu, donc je gagne 2 pièces tout de suite. Chez moi, il y a plein de stations-service, cinéma, tout ça, tout ça. Et donc, je fais mon revenu, je prends 9.
et je monte de 1 mes habitants. Par contre, on va pas vite sur les habitations. Ouais, c'est ce que je constate. Bah, parce que ça fait baisser les revenus et la répute, donc on y va doucement, 7, quoi. 9. Je faut faire monter ta réputation. Une école primaire. Je grimpe ma réputation et je peux potentiellement mettre ça là. Ah, moi j'adore ce jeu. Qui fait que je gagne 1. Ah bah super. J'ai bien fait de gagner. Mon grimpé. Ah attends. Ouh, Zoxmo, quel beau choix. Super Mega Lucky Box, Everdell, Tokaido Duo et Suburbia. Je vais le mettre bon, là. Everdell, et comme ça, je peux gagner 6. Mais on va fâcher Ervino si on le dit. C'est pas mal. Ah, c'est pour chacun de mes verres en plus. Donc j'ai 1, 2, 3. J'ai gagné 1, 2, 3. Ouais, c'est très simple et très efficace. Oui, il n'y a pas de twist originaux. C'est vraiment très simple et efficace. Et c'est le plaisir de construire une ville, en fait. Ok. Et je fais mes revenus. 6 et 1. Ok, vas-y. J'aimerais bien des trucs qui me rapportent des habitants maintenant, mais ils sont où? Oh, ils sont si loin! 22. Par contre... elle serait parfaite pour moi, mais elle est trop chère pour le moment. Elle fait pas monter sa réputation. Il faut pouvoir, hein. Bah t'en as plein de tuiles qui font de la répute. Comment ça, j'ai plein de tuiles qui font de la répute? Là, par exemple, plus 2, plus 1. Ah bah oui, oui. Ah là là, il faudrait dépenser beaucoup d'argent. 16 plus 4. Ouais, mais là, elles sont toutes chères. Mais puis ça va être de pire en pire, je suppose. À l'aéroport, je vais il faut faire des points. Putain, 20 plus 2 pour chaque. Oh, c'est trop. Mon objectif est pas si simple finalement. Là faut faire des points. Ça me va pas. Ah, je gagnais 2 là quand j'ai fait ça. Faut des sous. Le prends, je m'attends. Je refais x2 ici. Donc là, 2, 4, 6, 8, 10. Ça me coûte 0, je prends 10. Je défausse une tuile. Alors, je regarde un peu ce que vous dites. Alors là, je vous cache pas. J'ai Endless Winter, il est extra. Ah, je l'ai aussi, il faut que je vous en fasse un live. Vu que Arc Nova, elle veut pas y jouer. 15, pareil pour TM, Narak d'une. 16, 17. Ah oui, Everdell, c'est pour jouer avec ta femme. C'est 18. Mignon. Allez, je me ruine. Je prends 18. Je paye 18 pour prendre le stade. J'ai beaucoup qui fait que je monte de 1 de revenus. Cathédrale Rouge, c'est très bien. Ça passe très bien dans le genre association et barrageux. Ouais. Et si je fais ça... Et Cathédrale, c'est très très chouette. Ça fait que je vous monte de 1, 2... Ok, je prends mes revenus 5, 6, c'est une 7, tuile de quelle couleur que t'as placée? Une grise. Je me préviens si tu fais du bleu ou du vert. Ok, et du coup, je grimpe de... Et 3. Ok, elles s'envolent... Elle a pris 3 de répute. C'est où? T'as pris quoi? J'ai pris un stade. C'était le truc qui était là? Non. Non. Il est où le truc qui était là? Tu l'as défaussé? Non, oui, il est là. C'était plus simple pour chaque quoi? Crayon? Non, c'était celui-là qui était... Ah voilà, c'était les appartements. C'était ça qui était bien. 12 plus 6, 18. Bah, je vais prendre ça, moi. J'ai hésité à le prendre au tour d'avant. J'aurais peut-être dû... Allez, 18. Parce que du vert, il n'y en a pas beaucoup. Je prends ça, et pour chaque tuile adjacente verte, je prends
Alors déjà, je prends 5. Ouais, je prenais 2 à chaque fois. 1, 2, 3, 4, 5. Je baisse de 1 ici. 1 ici. Et je vais mettre les appartements à côté du cinéma. Ce qui fait que j'ai 2. Là, j'ai plus 2 pour chaque tuile bleue adjacente. Ce qui me fait. J'ai plus 2 habitants pour chaque tuile bleue adjacente, ce qui me fait plus 2. 1, 2. 1 pour chaque maison adjacente, donc plus 1. Je repasse, donc là, je vais passer en moins 1 en habitation. Ça craint un peu du slip. Mais j'ai plus 1 de revenus pour chaque maison adjacente, donc là, ça remonte. Donc là, on a fait toutes les adjacences. J'ai 2$ x 2 pour chaque nouvelle maison construite, donc je prends 5. Enfin, je prends 4 plutôt. Et c'est tout pour le moment. J'ai monté en point, mais j'ai baissé mon truc de réponse. Bon, bah, moi, c'est pas ouf, mais écoutez, les gars, je vais prendre un faubourg de base. De base ? Ouais. Ouh, elle fait une maison, bah, du oui, coup, mais je prends 4. Il n'y a pas de verre, alors je n'ai pas bien le choix. Je prends 2 bonhommes. Hop, 2 bonhommes, c'est-à-dire que je passe une ligne. Et alors, attention, c'est là que la voix. Je sais pas si Rachel est là, mais je pense pas que Marjo va me mettre 20 points. Je me pose là. C'est quoi et Discord? Et du coup, je gagne 1, 2 et 1, 2, 3. Alors, Discord Del Cariza, c'est comme des forums. C'est je comme un forum. Revenu. Tu peux rejoindre le mien. Je gagne 6. Ici, tu peux cliquer sur le lien et en fait, tu et vas aller sur le Discord. Deux, et c'est comme un forum chez Pénélope. Et 4. Je laisse les autres t'expliquer ça mieux. Et mais un jour, reste. Je ferai la visite. Ok, you go, girl. Ok, Attends, non, faut que je vire un truc. Non, ça fait. Non, je vais virer ça. Il est encore cher le lycée là. Et il va falloir. Il est loin, hein. 18, ça fait 18, ça fait. Les lycées, c'est bien, les lycées, c'est bien les lycées. Putain, c'est chacune de vos maisons. Ça fait beaucoup de points, mais je vais descendre dans les tréfonds du truc là. Alors, je vais prendre ça pour le moment à 4. Pardon, c'est un parc municipal que j'installe là. Non, que oui, que j'installe ici. Oula. Non, ça me va pas. Ici, vraiment ici. Et donc pour 3 tuiles adjacentes, je prends plus 1 de réputation. 1, 2, 3. Ce qui fait que je remonte un peu en réputation. C'est un bâtiment gris, donc je prends plus 1. Pour lui, en adjacent, ça me fait 9. Mais j'avais un revenu de moins à cause de ça. Et c'est tout. À toi. T'en as, toi, des stylos dans ton truc ou pas? Des stylos? Non, là, comme ça, là, des petits crayons. Non, j'en ai pas. Je fais mon revenu, je prends 8. Et je prends 2 bonhommes. Putain, elle est en train de me mettre les 20 points en fait. Normalement, j'ai un truc pour en mettre plein après, mais. Ah, j'ai pas défaussé de tuile. Putain, faut que je défausse une tuile. Vas-y. Je vais défausser celle-ci.
0. À toi. Oh là là, c'est chiant. On va s'approcher de la fin de partie, je pense. Tranquillement, mais sûrement. C'est relou, il n'y a pas de verre. Ah. Oh, 24. Elle se prend quand même au jeu. Je le fais. Je donne tout. Tapis. Tapis. Je peux faire ça. Tu veux quoi? Faire ça, là. Tu veux quoi, là? Bon, montre-leur. Un immeuble de standing. 3 pour chaque bleu adjacent. Ouais, bah si je le mets là... Ça fait 12 points. Non, mais si je le fais là, c'est beaucoup. Par contre, ça fait 5 plus 3 fois 2, 6. Oui, ça fait 11. Ça fait 11. Sauf que là, ça me fait 3 parce que là, il y a du vert. Ouais, ça fait 14. 14 bonhommes, quoi. Alors, c'est bien, mais je vais baisser mon revenu que j'ai déjà pas. Bon, ça va, 5 de revenu, t'es pas... Mais je donne tout, je fais tapis, là. Oui, mais là, on est proche de la fin. On va forcément... Moi, là, je vais faire un gros coup aussi. Enfin, je veux pas t'inciter, mais je vais acheter un truc qui va me coûter cher. Bah, je fais faire 24. Tapis, c'est beaucoup, mais tu peux encore provoquer un revenu monstrueux, je te signale, toi. Et donc, on a dit, ça fait 3 et 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Attends, parce que... Ouais, 1, 2, 3, 4, 5... Là, elle prend max de points. 6, 7, 8, 9... Normalement, je fais un bon 10, coup, là, mais... 10, 12... Pas sûr que je gagne. 13, 14... Donc, je baisse deux fois. Ouais. 1, 2... 1, 2... Oui, de toute façon, on va tout baisser. Hein. Donc, je prends 3 et je prends 1. Donc, moi, je vais prendre le lycée qui est là pour 22. Et qui fait 3 d'habitation pour chacune de mes tuiles Alors, attends, parce qu'il ne faut pas que je me confonde. 3 d'habitation pour chacune de mes tuiles adjacentes. Je regarde si je peux le placer ailleurs mieux, mais non. Je vais le mettre. Non, alors c'est pour chacune de mes tuiles vertes, de mes maisons vertes, et j'en ai 4. 1, 2, 3, 4. Donc je fais 12 points. Et je mets plus 1 de réputation tout de suite. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et j'ai dépassé 2 lignes, donc je redescends de 20. Je prends un revenu... je redescends de 2, pardon. Je prends donc un revenu de 1 habitant et un revenu de 6. Est-ce que j'avais autre chose? J'ai pris la répute, ouais. Mais voilà. C'est tout. C'est à toi. Ok. Bah moi, je vais faire ça. Pour prendre 24. Oui. Bien sûr. J'ai dépensé 24 au tour d'avant, donc c'était un truc d'un loup, quoi. Il me reste 16. Bah, tu fais ton revenu. Ah oui, tu défausses. Ah, elle m'a retiré le deuxième lycée, c'est dommage. Ah, pardon. Et du coup, combien je les emmerdes, toi ? 2, 3... Et d'un coup, elle en a plein. Un, j'étais putain, tranquille et puis d'un coup, elle en a plein. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Ah merde. 1, 2, 3, 4. Elle m'a eu. Elle m'a eu. Putain, je l'ai pas vue. Et tu m'as dit que t'en avais construit une parce que moi, je prends des sous. Hein. Non, vas-y, prends. Ah bah ouais. Celle-ci, tu l'as vue, mais oui. Oui, celle-là, tu viens de la prendre ? Non, j'ai posé. Là, à ce tour-là, j'ai juste mis ça. Au tour d'avant, j'ai mis celle-ci. Oui, j'avais pas pris. Attends, peut-être que si. Non, je crois pas. Non, je crois vraiment pas. J'avais pas pris ou j'avais pris ? Non, t'avais pas pris. Sinon, tu l'aurais dit et tu ne l'as pas dit. Vas-y. Moi, il y a un truc qui me fait envie, c'est ça. Et du coup, j'ai les sous, donc j'ai un peu de scrupule, hein, si jamais j'avais pas pris. Pas pris, me dit Vino. Non, ok. Non. Donc, je prends ça pour 20. Là, c'est moi qui fais tapis. 12 et 8, 20. Mais t'as bien fait, j'allais le prendre, hein, sinon. Là, il est pas sorti, quoi. Je fais un nouvel appartement. Ah, j'avais pas bien lu. Attends, est-ce que c'est vraiment ça que je voulais ?
7 seulement, c'est pas beaucoup. Ça fait cher payer. Je vais pas réussir à remonter cette pente. Mais au moins, je la laisse pas choper cette tuile-là, tu me diras. Donc 7, je la prends. 7. Attends, déjà, je prends 5. J'ai payé, hein, oui. 1, 2, 3, 4, 5. Je descends de 1 revenu, 1 revenu. 2 pour chaque truc adjacent. 1, 2. Plus 1 pour chaque maison adjacente. Donc, je prends une réputation. J'ai pris une maison verte, donc je prends 4 de thunes. Et enfin, je prends le revenu qui est de 5 pour moi. Ah, un tour restant. Un habitant. À la fin de ce tour de table, chaque joueur, en commençant par le premier joueur, joue un tour en plus. Donc moi, j'ai encore 2 tours et toi, t'en as plus qu'un. Oh merde. Bon, je suis foutu. On le remplace, ce truc-là, ou pas? Je suis foutu. Hein, ça sort. On met une pré-tuile à la place? Oui. Enfin, là, il y avait... Oui. Non, moi, je veux bien faire ça, mais ça me fait avancer pour reculer. C'est con, non? Oh, bah, il y a 2 fois la même tuile. Quoi, stop le nombre de jeux accessibles pour la... Attends. Bonsoir. Il n'y a pas à dire, cette piste de PV vend du rêve. En vrai, j'ai grave envie d'y jouer. C'est vraiment, vraiment bien. C'est quoi stop? Pourquoi il y a stop? Je sais pas, au-dessus il dit accessible pour la femme, qu'est-ce que c'est comme nom? Je sais pas. Ah, accessible pour ma femme, je pense qu'il a voulu dire. Vas-y. Ah, stop les achats inutiles. Alors. T'as pas de sous par contre. Parce que si je fais. Dans 16 et 6. Au tour d'après, c'est un peu. Mais oui, mais désolation. Oui. J'avais compris, t'inquiète, Zouk. Mais j'ai envie de faire ça quand même. Ah, sinon, je peux faire que ça. Mais là, c'est, je peux pas me permettre de pas faire ça. Alors là, je sens que si c'est ça, elle va me faire mal. Bon, bah, je suis foutu, les gars. Oui et non, parce que là, je vais baisser, je vais en donner plein. Mais je suis obligée. Si je fais ça, là, j'en prends 3. Plus 1 pour chaque verre. 1, 2, 3. 4, 5, ça combien? 1, 2, 3, 4, 5. Donc je prends 13. 13 points? 1, 2, 3, 4. Mais comment ça tu prends des habitants? 6, 7, 8, 9, 10. Attends, 1, c'est pas 10, fini, c'est pas. 13. Bah, si! Là je prends 1 pour chaque verre et 3 parce que j'ai un adjacent bleu. Ah ouais, ouais. Ah oui, elle a fait un complexe truc. Donc je dé... Attends, parce que je descends de 2, 1, 1. Alors il y a un truc que je sais 2. Plus. Donc j'ai un revenu de 0. Et je perds 2 bonhommes. Et si je repasse une ligne dans l'autre sens, est-ce que je remonte? Alors, je viens de découvrir qu'on collecte ses revenus avant de faire... Ah oui, si, on ajuste la population en fonction de sa réputation. Donc ça, c'est... C'est bon. Donc là, c'est le dernier tour. Hein. Bon, c'est ça, c'est vrai. Bah oui, je suis foutue, quoi. La seule chose que je peux faire, c'est... faire ça. Voilà, là, elle est à moins de... Je suis foutue, elle va m'avoir pour... Ah ! Alors, j'achète ça. Oui. Non, pas forcément, mais... tu vas con... Parce que j'avais... Moi, j'avais un problème. Et je vais le mettre ici.
Je vais mettre ça là. Pour avoir deux fois moins un. Ça va peut-être pas suffire. Par contre, tu prends deux bonhommes. Je prends deux bonhommes. Je passe la ligne. Et donc, je descends encore d'un. Et je descends des revenus de 1. Et j'encaisse mon revenu qui est donc de 4. Et je monte, je descends ici de 2, 1, 2. Quand on repasse la ligne dans l'autre sens, on n'a pas de bénéfice. Vous allez me dire pourquoi t'as fait ça ? Bah, c'est le tout pour le tout, les gars, parce que je vous rappelle mon objectif, en fait. Et en fait, cette conne, elle est basse. Oui, je parle de toi. Je ne l'insulte pas, ok ? C'est affectif quand je dis ça. Tu l'as pas mal pris. Voilà, elle s'en fout. Dernière commande d'octobre, c'est Galileo Project. C'est bien ça. Cathédrale Rouge et Great Western Trail nouvelle version. J'ai testé Cathédrale aujourd'hui. Donc maintenant, j'achète du Sea Salt and Pepper, du Azul, du Acropolis. Ça se sort facilement et je suis moins blasé. Oui, c'est sûr. Ok, revenu 0-0. Magnifique. J'ai atteint un équilibre parfait dans mon bled. Plus personne ne vient et je ne gagne rien. Bah ouais, mais c'est bien. Et donc, tu montes ou pas ? Là, t'as rien fait de... Non, ça y est, j'ai fait mon tour. J'ai acheté, j'ai grimpé. Donc, on a fini ? Ouais. Alors, maintenant, vas-y, calcule des points. C'était une tuile comment que t'as mise ? C'était une tuile verte. Tu gagnes 2 points. Je gagne 4 dessous. Non, 4. Mais t'as... tu me battais en tuile verte, là ? On a égalité, je crois. 1, 2, 6, 4, 5, 6. Chiant, tu pouvais pas me la laisser, celle-là. Bah, Donc celui qui gagne en tuile... C'est le seul truc qui me faisait grimper. Mais du coup, tu vas gagner l'égalité parce que... Je sais pas, c'est qui gagne l'égalité. C'est le plus de réputation, donc c'est toi. Je suis à moins 2, elle est à 0. Et là, ça me fout les nerfs parce que mon objectif, c'était d'avoir moins de réputation que toi. Donc je peux pas gagner, là, l'égalité. Ouais, mais bah, bah, ouais, t'as 20. Bah tu pouvais pas me le laisser. Bah non. Donc, j'ai 20 points. T'as 20 points, 15 points. Ouais. Heureux, j'ai fait un lac. T'as fait un lac. Mais comme t'as la réputation... Ah ouais, ça c'est moche. Et, et moi j'ai fait mon objectif. Bah sur... ouais, mais je me fais niquer sur la réputation. Alors, erreur de débutante, j'ai pris l'objectif de moins de réputation. Ouais. Pourquoi ? Parce que ça faisait 20 points plutôt que les autres. Bah parce qu'en fait, l'autre c'était... J'avais quand même deux objectifs de merde au choix aussi. C'était la réputation la plus basse ou la population la plus basse. L'argent le plus bas. L'argent le plus bas, je trouve ça... Ah, t'aurais dû échanger. Échanger contre quoi ? Bah non, mais prendre d'autres objectifs. Bah non, c'est comme ça. Simplement, je trouve que la réputation la plus basse, on vient d'avoir la preuve que si on est à égalité, c'est vraiment perdant-perdant, quoi. Non seulement je perds mon objectif, mais je te donne toutes les égalités. Là, c'est dégueulasse. T'aurais pu faire un deuxième lac, bordel. Au moins que j'ai pas l'impression que... Non, mais toi, quand tu gagnes, il faut tout, voilà. Mais j'en ai pas eu besoin. Donc, tu marques combien de points en tout ? Tu m'énerves. J'ose pas te... Bon bah moi je marque 20 points, voilà, 58 à 78, très bien, j'arrive là où t'es à peu près, hein. Et donc toi t'en marques 50, super, 72 et 50 ça fait 122. Rachel elle avait dit elle va te mettre 20 points, elle m'en a mis 50 dans la gueule quoi. Mais là ça m'égasse parce que en fait je me suis battue pour réussir ça, tout ce qui m'a freiné c'est ça. Et depuis tout à l'heure je suis là, et le dernier coup que j'ai fait c'était les moins 2. Ah ouais, pour te... Et du coup, ça t'a... Sinon, ça on était à égalité, fumer... égalité. Ouais. Et du coup, alors, qu'est-ce que ça aurait fait ? Ça aurait fait que j'aurais pas fait 20 points. T'aurais peut-être fait ton objectif, du coup ? Moi, mon objectif, c'était le plus de bâtiments gris, donc normalement, oui. Par contre, tu gagnais les maisons si je faisais... Ah oui, mais je l'aurais mis ailleurs. Et du coup, je l'aurais mis là. Sans doute, je l'aurais mis ailleurs et j'aurais eu des points en plus. Mm. J'aurais peut-être même gagné la réputation, tu vois. Et donc, à égalité, parce que là, j'aurais fait plus en réputation. En fait, c'était plus rentable pour moi de ne pas gagner mon objectif et d'aller chercher les égalités ici. Ouais, parce que tu aurais fait plus 1 alors que j'étais à 0, donc tu gagnais toutes les égalités. Et donc, je gagnais 35 points. Et toi ? Bah, du coup, j'avais 35 points en moins. Oui, mais toi, t'as quand même ta tuile de 15 points. Oui, mais du coup, j'avais 35 points en moins. Non, mais juste pour que vous vous rendiez compte de ma mauvaise décision de fin, c'est-à-dire qu'en gros, moi, si j'avais 35 points en plus, j'étais à 78 plus 35. J'étais à... Je refais le match là un peu, mais... 78 plus 30, ça fait 108, plus 5, 113. Ouais. J'arrivais à 113 et toi, tu... Ouais, tu passais derrière moi. Ouais. Donc en fait, voilà.
d'avoir mis cette dernière tuile ici pour remplir cet objectif secret m'a fait perdre toute la partie de 50 points, alors que si je l'avais mis là, tu gagnais la partie. Je gagnais la partie, mais genre avec 30 points d'avance. Non. Mais si. Bah, t'arrivais à 113 et oui, moi toi, je descendais à 90, toi... donc... Oui, non, tu descendais de 15 points, effectivement. Donc t'étais à... Non, 35. Non, ton... Oui, t'étais... Bah oui, bah ça fait... Ça fait... Bah non, mais je redescendais à 90. Oui, c'est ça. Et donc on avait 20 points d'écart. Ouais, bah c'est moi qui te mettais les 20 points d'écart. Mais oui, c'est toi qui me les mettais. Mais en fait, c'est juste que j'ai voulu faire ça. Et parce que, aussi, j'avais oublié cette histoire d'égalité. Mmh. Putain, quelle école, c'est pas possible. Là, je parle de moi. Oh là 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 là. Et c'est moi. Tu vois, je m'auto-tue. C'est-à-dire, je peux ouais, gagner. C'est ça. Je prends une dernière tuile et je me flingue toute seule, quoi. Oh là 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 là. Est-ce que j'ai mal? J'ai mal. Je dois être matinal. Moi j'adore ce jeu hein. Et effectivement je préfère le faire hors live parce que moi j'essaie quand même de vous suivre un petit peu ouais, même si je suis pas et c'est un jeu qui demande d'être concentré truc, et typiquement ce que je viens de faire tu l'aurais pas fait en... c'est de la déconcentration donc c'est de la décision genre ah je fais ça machin c'est ma faute. Moi j'adore parce que j'adore la construction de ville et j'adore les combos. J'adore poser un truc et regarder tout ce que ça provoque. C'est vraiment un truc que j'aime bien. Peut-être que toi, t'as plus de bémols là-dessus ? Sûr. Je sais pas, tu l'aimes bien ou pas ? Ah ouais, ouais, moi je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. Alors effectivement, on est vraiment dans notre coin. Moi c'est un truc qui me pose pas de problème. Donc, Oui, oui, toi t'as pareil, ça. Si vous êtes avec des gens qui lag, bah, ça va laguer. Mais comme d'habitude en fait, hein, ne jouez pas avec des gens qui lag et jouez avec des gens qui lag. Ah oui, alors ça c'est un jeu qui peut provoquer du downtime de fou. Ouais. Sachant à 4 surtout, je pense que ça peut être très long parce que à part attendre que ça arrive à ton tour. Oui. Par contre, c'est vrai que t'as quand même la possibilité de réfléchir à ce que tu vas faire à ton tour. Oui, bien sûr. Par contre, si on prend ta tuile, bon, bah, faut que parce que c'est très calculatoire. Quoi. Donc, t'es vraiment là entre qu'est-ce qui va être le plus. Là, moi, je prenais pas forcément les meilleures décisions parce que j'ai pas envisagé. Voilà, typiquement. Non, mais moi, j'aime. En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'on n'est jamais bloqué. Et même les tuiles de base, elles apportent quand même des trucs assez intéressants pour que ce soit intéressant d'aller les prendre. Donc on n'est jamais bloqué, il y a toujours un truc à faire et il y a une façon infinie de gagner. Oui, alors ça c'est un des gros points forts du jeu. Je pense que même sans faire aucun de nos objectifs, on peut gagner si on décide. Un des gros points forts du jeu, c'est que les villes sont cohérentes. C'est-à-dire qu'en gros, là on avait des objectifs, c'était aquaphobe machin, et donc ça va nous donner des directions. Là on a fait des villes très habitées, beaucoup de résidences, beaucoup du coup de bâtiments qui vont avec les résidences et qui font du revenu, et on n'était pas tellement sur l'industrie, les fermes, les restaurants, alors qu'il y en a plein. Pas du tout, mais les fermes, elles sont les sites industriels, les sites jaunes, c'est l'enfer, ça te fait des moins dans tous les sens. Oui, mais ils te font beaucoup de revenus en supplémentaire pour peu de... pour. Ouais, ils te coûtent pas cher, mais les buildings sont beaucoup plus. Non, c'est pas ça, mais tu vois, ça te fait par exemple. Si, ça te fait plus 2 de réputation. Ouais, mais celui-là, on l'a pas eu. Hein. Voilà. Et on a eu des cartes assez peu bleues. Mais j'ai fait une partie avec Guillaume, il avait 15 000 fermes et 2 restaurants. C'était la ville de la restauration. Et en fait, c'est assez rigolo parce que voilà, on va faire des villes qui vont être typées. Mmh. À chaque fois, notre ville, elle sera différente. C'est du puzzle, donc vraiment, ça se ressemblera jamais. Il y a ce plaisir de comboter, ce plaisir de voir sa ville se construire devant soi. Moi, ça, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. On peut lui reprocher, justement, que la règle étant très simple et tout, certaines petites phrases, faut se souvenir, quoi. Oui, c'est ça. Moi, j'ai 2 pour chaque bâtiment gris. Et effectivement, en fait, quand on lit la règle, c'est on l'applique quand on le pose, mais à chaque fois que je reconstruis un bâtiment gris, ça me fait $2. Bon, alors... C'est ce que vous m'avez vu faire à chaque fois. Genre, ah, mais j'aurais dû prendre $2. Voilà. Donc, c'est une partie où on va faire beaucoup. C'est un jeu dans lequel on fait beaucoup ça. C'est par un, t'as posé un verre, je prends 4. Par contre, je pense qu'une fois que t'as bien assimilé les tuiles, tu t'en rappelles beaucoup plus. Et c'est un jeu où, en fait, tu peux y jouer que si t'es concentré. C'est un jeu où tu dois être concentré pour faire les choses. Et là, c'est sûr qu'en live, c'est pas l'idéal. Mais moi, j'aime vraiment bien. Et j'aime vraiment bien faire des bons coups.
C'est un jeu où on va dire, si je prends pile cette tuile-là et que je la mets pile là, je vais me faire... Voilà, ça, c'était brillant, hein, qu'elle a fait là. Elle a fait un moteur d'argent. C'est un jeu qui apporte beaucoup de satisfaction, en fait. Ah, Didou, il joue à Obsession depuis 15 jours en bêta. Ouais, mais Obsession, c'est un cran au-dessus. Enfin, oui, voilà. Bien sûr. C'est-à-dire que bien sûr, là, pour moi, on est sur un jeu qui vaut... Ah, Suburbia, c'est dur. Je lui mettrais 8 quand même. Hein. Ouais, j'hésitais entre 7,5 et 8. Ouais, j'étais pareil. J'étais entre 7,5 et 8. Il coûte combien ? Il est... Alors, vous pouvez faire comment de prix ? Le matos, c'est très beau. Hein. Faut voir que les Game 13, c'est très cher. Dans le Alors, 49,90€, je trouve ça très correct. Bah, par rapport au prix actuel. Bah, en fait, c'est ça. C'est, en soi, c'est... Tu vois, il n'y a pas beaucoup moins de tuiles que dans... Par rapport au prix des jeux aujourd'hui, qui s'avoisine plus autour de 60€, je trouve que 50€, c'est pas du Vrai. Puis vraiment, c'est trop loin pour que j'aille le chercher. Mais si je peux montrer le Game 13, là, juste comme ça. Le Game 13, à l'intérieur, il y en a deux. Et Enjoy, elle est toujours là ou pas pour... Je peux le faire. Là, ah, tu peux le faire, toi aussi. Donc, ça, c'est le Game 13, vous voyez. Et il a un couvercle en plastique, donc tout va être super bien rangé à l'intérieur. Et il y a un autre Game 13 pour tout le reste du matériel. Donc, à l'intérieur de la boîte, ça ne bouge pas. Et vous voyez, là, il n'y avait pas du tout toutes les tuiles du jeu. Il y en a encore énormément. Et là, il y a le double. Il y a plein de tuiles objectifs encore. Donc, il y a une très bonne rejouabilité. Et voilà, ce qu'on peut reprocher au jeu, c'est d'avoir quelque chose d'un peu austère, calculatoire, chacun dans sa bulle, qui réfléchit. Alors, chacun dans sa bulle, elle dit qu'il n'y a pas d'interaction. En même temps, il faut faire très très attention à ce que fait l'autre, parce que toutes nos tuiles, elles peuvent avoir des interactions avec ce qui se passe sur le terrain du voisin. Quant à Obsession, Delcariza, je vais mettre le replay. On a fait un live dessus la semaine dernière, je vais mettre le replay sur ma chaîne YouTube, là, dans les 2-3 jours qui viennent, parce que ça urge un peu. Mais c'est clairement le meilleur jeu auquel j'ai joué cette année, Obsession, et c'est rentré direct dans mon top 5. C'est voilà. Vraiment, j'aime beaucoup. Et là, Obsession, pour moi, c'est un 10 sur 10. Là, on est sur un entre 7,5 et 8, mais je pense qu'effectivement, elle a raison. La qualité du matériel, le côté très classique, très plaisant, et le prix accessible pour un matériel de cette qualité me le fait monter à 8. C'est pourquoi j'aurais, enfin, pourquoi je mets une réserve, peut-être pour ces petites, ce côté il faut être très concentré, c'est un jeu qui ne joue pas avec tout le monde et c'est un jeu qui a des mécaniques qu'on, alors attention, hein, j'allais dire déjà vu, c'est très dangereux avec ce jeu là parce qu'en fait c'est ce jeu, il a 10 ans, faut pas l'oublier quand même, donc il a un peu été précurseur de, enfin c'était un jeu qui à son époque il y a 10 ans. C'est ça aussi, hein, quand on se dit... Il est sorti il y a longtemps. Ouais, il est déjà vu, ouais, c'est classique. Oui, mais il y a 10 ans, c'était pas classique. Enfin, oui, la pose de tuiles, alors... c'était déjà un style qui était déjà très en vogue, mais depuis, il y a eu beaucoup, beaucoup de jeux qui se sont inspirés de Suburbia. Alors, et c'est surtout que, oui, c'est sûrement du déjà vu, mais honnêtement, en pose de tuiles, bah, il a ce truc qu'on aime bien des jeux qui ont 10-15 ans. Il y a deux pages de règles. Tu ne retournes pas dans la règle. Le seul truc que tu retournes, c'est pour regarder un petit peu tes tuiles pour être sûr. Et en vrai, c'est plus pour être sûr de les avoir bien compris que de savoir ce qu'elles veulent dire. Hein. Parce que tout, c'est très clair. C'est juste pour les petites précisions, genre est-ce que c'est à chaque fois que j'en pose une ou est-ce que c'est à chaque fois que j'active cette tuile. Les descriptions des tuiles sont nickel. Il n'y a rien à dire. Donc, oui, c'est... oui, d'accord, on achète des tuiles qu'on pose. Alors, Moraki me dit, oui, mais 50€, tu as plein d'experts ou même d'initiés avec beaucoup plus de matos. Alors là, non. Ah ouais, lesquels? Par exemple, Obsession, que j'ai là, c'est, oui, il y a des belles boîtes, mais au niveau du nombre de tuiles, on doit être kiff-kiff, et il est à 66€. Un Arc Nova... Tiletum, il est moins que 49€? Tiletum, il y a beaucoup moins de matériel. Oui, il n'y a pas grand-chose, hein, Tiletum, il y a un plateau et deux petits trucs en bois. Parce que là, ce qui fait qu'on a l'impression qu'il y a moins de matériel, c'est qu'il n'y a pas de plateau. Mais il y a beaucoup de tuiles. Il y a le Game 13. C'est certes pas donné, mais c'est très très quali. Enfin, je veux dire... Arc Nova, il est plus cher. Voilà, Arc Nova, il est dans les 70€. Après, peut-être que Tiletum, il est à 50€. Hein, mais et ce serait super, hein, je veux dire... Pour moi, Tiletum... Et Tiletum est super, hein. Alors, go, go, go. S'il y a pas mal de tuiles dans Tiletum, quand même.
mais c'est pas aussi quali au niveau du matériel que là. Là, on a du matos très quali. Bien sûr, je cache pas. C'est les Toom qui est effectivement à 49,50€. Bah, c'est le même prix. Donc, il est au même prix. C'est pareil, c'est 49,90 ou 49,50, mmh. C'est kiff-kiff, quoi. Un jeu comme Hit, par exemple, le prix de Hit. Hit a beaucoup moins de matériel. Ouais. T'as deux plateaux, mais t'as trois petites voitures et quelques cartes. Tu payes les voitures. Non, non, non. Il faut pas oublier que dans les prix actuels, à part certains jeux qui arrivent à casser leur prix, pour des raisons qui me sont... Arrêtez, je regrette d'avoir pris Suburbia à la place de Carnegie ou Teal et Toom. Pourquoi tu regrettes? T'aimes beaucoup moins? Bon, Teal et Toom est très bien, mais vraiment, c'est pas un... Alors, pour moi, si tu Teal et Toom, c'est un 8 aussi. Hein. Ouais. Moi, je mets pas Teal et Toom au-dessus de Suburbia. Par contre, c'est pas du tout le même univers et... Je pense même que sur le long terme, Suburbia, il peut avoir une... Teal et Toom, je le kiffe. Mais quand j'y aurai un certain nombre de fois, ça, je sais que je vais le ressortir avec plein de gens. Teal et Toom, pas forcément. Ouais. Et alors... Et Carnegie, alors par contre, ouais, moi... Je te le dis, déjà, des trois, il n'y a pas de regret, j'aurais pas pris Carnegie. Hein. Ouais. Par exemple, en fait, Carnegie, il y a un espèce d'effet... Je sais pas pourquoi, je pense que c'est l'effet... c'est un vrai jeu expert, ouais, avec des muscles. Mmh. Moi, je le trouve... Ouais... Et juste pour répondre à mon Hakim, tu trouves ça cher pour un jeu de tuiles? Honnêtement, je te le dis, je trouve aujourd'hui que les jeux sont très chers. Et 50€, si tu le mets en francs, c'est compliqué. Ouais. Parce que moi, j'étais là quand je calculais en francs. J'étais déjà un peu grande quand je parlais en francs. Si tu le convertis à bientôt, Delcariza, et merci d'être venue. Ça fait merci. Plaisir. Si tu le mets en franc, t'as envie de pleurer. Hein. Donc oui, je suis d'accord. 50€, faut pas sous-estimer. Hein. 50€, c'est un budget. Un Carnegie à 57€, c'est bien. Mais... Donc oui, que tu trouves ça trop cher, je peux très bien comprendre. Oui, oui, en soi, c'est trop cher. Oui. Surtout qu'en fait, en fait, on va dire simplement que moi, j'évalue par rapport au reste du marché. Par rapport au jeu... Oui. D'avant, oui. C'est trop cher. Mm. C'est-à-dire que y a ce jeu-là, il y a 10 ans, enfin pas il y a 10 ans, il y a 5 ans, ce jeu-là, on le trouvait à 40 balles. Ouais. Et c'est ça qui est dur, c'est qu'il y a une augmentation de tous les coûts, une augmentation de tous les prix, et tous les jeux, ils prennent 5-10 balles dans la gueule. C'est ça. Et puis. Donc je comprends qu'on trouve qu'il soit trop cher. Par contre, moi, qui fais à chaque fois au Trick Track Show, je présente un jeu, on dit le prix à la fin, à chaque fois, je suis là genre, waouh! Tu vois, on est dans les 60, les 70. C'est très rare qu'on soit en dessous des 50. Ok, il y a Enjoy qui dit, vu qu'elle a voté, elle ne peut pas gérer la prédiction. Twitch a peur de mon honnêteté. Il a tort. Bien sûr qu'il a tort. Alors. T'avais voté pour qui? Bon. Ah, vous aviez été vachement... Franchement, en vérité, franchement, il y a Ervino. Ervino, il a dit on peut pas rollback. Non, je ne rollback pas. Je perds, j'accepte d'avoir perdu. Par contre, je voulais juste vous montrer que malgré les 40 points qu'elle m'a mis dans la tronche, c'était plutôt... Elle aurait très bien pu plutôt m'en mettre 20. En fait, ça s'est joué à un coup. Ça s'est pas joué à c'est super, j'ai joué toute la partie. Ça s'est joué à cette salope de décision que j'ai prise à la fin. Ouais. Oui, c'est ça. Mais c'est ma faute. C'est que ma faute. C'est ça, c'est moche. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on perd. Alors, Marjo qui ne dort pas vraiment, et Pénélope l'ingénieuse son. Vous êtes trop fort. Alors, parfait, parfait, mais il faut mettre Pénélope en première pour qu'elle soit en bleu. Ça, ouais, ça c'est mon obsession. Et Marjo Par est contre, toujours en rouge. Ne clique pas sur Pénélope. Oui, c'est Marjo qui ne dort pas vraiment. Oui, parce que moi, sinon, je clique sur mon nom, comme les enfants. C'est ça. Genre, je suis là, t'as vu? Vous trouvez que ça vaut 25€ de plus qu'Acropolis? Ah bah oui. Oui, il y a quand même plus de matériel que Acropolis. Hein. Et puis il y a les Game 13 de rangement. C'est pas et c'est quand même. Alors plus est-ce que lourd c'est 25 que euros de... Acropolis, c'est pas 25€. Pardon, excuse-moi, mais Acropolis, il est pas. Tu peux vérifier ça? Ça me semble bizarre. À mon honnête. Mais c'est peut-être ça. 27. Déjà, ça change, c'est pas 25. 27€. Ah ouais. Bah, franchement, alors pour le coup, acheter Acropolis. Ouais, pour super, le coup, c'est hein, pas cher. 27€, c'est super.
Il est à 27. Donc oui, là, c'est 23 de plus qu'Acropolis. En biélo, merci pour ta confiance. Non, je dis juste que en ce moment, j'ai plus des jeux. Là, de quoi on a parlé, par exemple Bien sûr. Enjoy, je te coupe parce qu'Enjoy dit, après, faut pas oublier de prendre en compte que ça ne peut, le prix ne prend pas en compte que le matos. Et bien sûr, c'est comme quand on va au resto, oui, on paye le loyer du resto. Là, on paye la maison d'édition, on paye l'auteur, on paye le traducteur, dessinateur. Tout ça, ça doit être payé. Alors, c'est pas que ça, c'est que c'est une vraie discussion. C'est-à-dire qu'en gros, un jeu, on l'achète pas au poids. Par exemple, les jeux qui ont des applications, on va en plus payer l'application. Et souvent, c'est des jeux qui sont beaucoup plus légers dans la boîte, donc on ne paye pas le poids en matériel. Et là, on ne sait pas. Si, par exemple, un jeu est fait par un seul auteur ou par deux auteurs, il faut payer les deux. S'il y a plus de gens impliqués, plus de trajets entre le lieu de production et le lieu de vente, ou plein de choses. Et encore une fois, ça, vous vous rendez pas compte. C'est le problème des jeux à licence. Hein. Les jeux à licence, ils vous en mettent plein. Tapez Game 13. Game 13, c'est la marque Game 13. C'est des trucs de rangement. Moi, j'en ai certaines petites boîtes ici. C'est super pratique, c'est génial parce que ça évite que le matos bouge. Une fois que c'est fermé, on peut laisser son jeu en place et le ressortir. Ça, ça coûte extrêmement cher. La marque Game 13 qui fait le rangement fermé, bien étudié pour la boîte. Il n'y a pas ça dans Acropolis. Et oui, ça vaut 20 balles. Donc après, vous pouvez être fâché qu'il y ait ça. Et dire, j'aurais préféré pas de Game 13 et tout. Moi, j'aime bien. Je trouve ça quali. Ça évite que ça bouge dans la boîte. Et puis, ça fait partie de l'objet. Great Western Trail, par contre, à 40 euros. Great Western Trail à 40 euros. Non, mais c'est fou. Hein. Non, ça, j'y crois pas. Attends, ne disons pas. La Cathédrale Rouge, par contre, la boîte, elle est grande comme ça, il n'y a rien dedans. Hein. Ou à 30 euros, c'est normal. Alors, attends, pourquoi il me file la version argentine? Non, puis je vous dis, le Game 13, je pense que vous ne vous figurez pas. Si, c'est 40,5 euros Great Western. Oui, mais il n'y a pas de tuiles dans Great Western, il n'y a que des cartes. Et puis il n'y a pas grand chose, il y a 3 meeples et des cartes, quoi. Il y a un plateau, 3 meeples et des cartes. C'est pas. Enfin, je crois, hein. Il n'y a pas de tuiles dans Great Western. Les tuiles, ça coûte plus cher. Là, j'essaye pas de justifier à tout prix ce prix-là. Je dis juste que je ne suis pas choquée. Là, je vois ce que j'ai soi. Encore une fois, les Game 13, ça coûte très cher. Après, vous pouvez avoir envie... Ah oui, voilà. Si tu préfères payer 10 euros de moins et pas avoir le rangement, super. Mais eux, ils ont fait le choix du rangement. Ouais. Par contre, c'est un autre problème. C'est qu'au vu du matériel et de la qualité du matériel et du rangement, le jeu est correct au niveau du prix. Ça veut pas dire que toi, tu vas avoir envie de mettre ces sous pour acheter parce que toi, t'en as rien à foutre du rangement. À ce moment-là, va sur Ocaseo, il y a les versions anciennes sans rangement et en plus, le jeu est exactement le même. Moi, j'aime bien les Game 13. Je dis pas que j'achèterais un jeu qui me plaît moins. Là, je me dis, c'est chouette, j'ai un beau rangement. En fait, c'est surtout extrêmement pratique parce que c'est le genre de jeu de tuiles où il faut trier toutes les tuiles A, B, C. Voilà, et quand c'est le bordel et que toute ta boîte et que les tuiles, tout c'est voilà. Bagdad, moi, je préfère, j'aime bien. Pomme Cassis est prête aussi à payer 10 euros de plus pour un rangement pratique. Acropolis sur Alasdor, c'est sûr. Je sais pas. Je me pose plein de questions quant aux nominés. De l'Asdor, ça c'est une autre discussion. Je pense qu'on va aller la continuer sur Discord et on va finir. Connais un jeu à 50 euros qui en vaut pas 10 ouais, c'est sûr. Quand il y a beaucoup de tuiles, c'est un choix d'édition justifié. Le gameplay, oui, je trouve aussi. Après, c'est un choix d'édition chez Lucky Duck. Ils aiment faire des jeux assez bien produits avec une qualité, et puis surtout, faut pas oublier que c'est une réédition d'un classique. Et qu'il y avait un côté collector dans cette réédition, c'est-à-dire que fallait vraiment faire plus beau. Moi, je suis contente aussi que ça soit une réédité, parce qu'aujourd'hui, on voit des tas de nouveaux jeux qui sortent sans arrêt. Je suis pas contre les nouveaux jeux, je suis pour, mais je trouve que c'est dommage que certains jeux meurent et qu'on les oublie. Et donc, une belle réédition, c'est aussi redonner une nouvelle vie à un jeu qui n'intéressait plus personne.
Et il y a des gens, le game trace, ça leur plaît. Moi, ça me plaît bien. Et surtout, ça c'est pas se foutre de la gueule du client que d'en mettre dans les boîtes. Alors là, pour le coup, c'est vraiment... Oui, je suis d'accord. Après, c'est toujours le même débat, hein, où effectivement, les jeux, c'est cher. Il y en a 60 millions qui sortent par an. On peut pas tous les acheter et on est obligé de faire un choix. Et du coup, il y a une vraie sélection qui se fait. C'est aussi pour ça qu'on est là, en fait, hein, pour vous montrer à quoi ressemble le jeu et que vous fassiez une idée. On se doute bien que tous les gens qui sont dans le chat à chaque fois ne vont pas acheter tous les jeux dont on parle. On sait que c'est impossible, mais on essaye de vous montrer le plus objectivement possible à quoi ressemble un jeu et de vous dire, nous, en notre âme et conscience, ce qu'on ressent quand on y joue. Maintenant, oui, si vous me faites une liste de 10 jeux et dedans il y a celui-ci, mais il y en a plein d'autres, je suis pas sûre que celui-ci finisse dans ceux que j'achète. Mais... Plume bavarde, c'est toujours d'actualité la réédition de Menu Mental. Hein. Je crois. Si je ne dis pas de bêtises, c'est toujours d'actu. Des fois, quand j'ouvre un jeu plein d'entrain pour y jouer et que je vois des tonnes de sacs en vrac, je mets la boîte. Oui, c'est vrai. Ça m'arrive. Et oui, mon Rakim, ça c'est vrai, quand on a le jeu devant soi, c'est toujours différent au niveau du ressenti. Absolument. Et je pense que là, un des trucs qui fait qu'on dit ça les vaut, entre guillemets, c'est que on a le matos sous les yeux et bon, allez, je vais te concéder, je l'aurais préféré à 45. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est pas 65 euros. Non, ce non. que je veux dire, c'est un truc qui va me choquer, c'est certains jeux qui sont à 40 euros, j'ouvre la boîte, waouh, je vais avoir des trucs où vraiment. Une mauvaise qualité de matériel aussi, des fois. Ouais. Moi, par exemple, hein, une boîte d'Origins qui est mal imprimée, qui est pas... Mm. Donc, tu vois, t'es là genre... Putain, ouais. J'ai mis 45 euros, c'est moins cher que 50, il y a plus de matos, ok, mais la qualité, elle est pourrie. Donc, moi, je suis prête à mettre un petit peu plus que ce que je mettrais naturellement si... Voilà, si ça se joue à 3-4 balles, pour avoir un truc vraiment, vraiment beau, ouais, si, moi, ça peut compter. Mais j'entends que c'est quand même cher. Et oui, c'est vrai, c'est cher. Mais par contre, comparé aux autres jeux actuels, moi, je trouve que tous les jeux sont chers en ce moment. Donc, Oui, en fait, c'est surtout ça. Et franchement, je trouve qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Hein, parce que franchement, quand tu vois le prix du truc, tu te dis, bon, bah... Et puis, par exemple, un jeu comme Acropolis, c'est des grosses tuiles. On ne sait pas combien ça coûte de faire des grosses tuiles par rapport à des petites tuiles. Est-ce que c'est plus cher? Est-ce que c'est moins cher? Moi, je ne suis pas fabricant. Elles sont imprimées recto verso. Il y a beaucoup, beaucoup de types de couleurs différents et de détails sur ces tuiles-là. Il y en a moins dans. Ouais. Ça, c'est sûr. Hein. Tu vois, c'est tout ça. Moi, je ne suis pas spécialiste. Alors, moi, Hakim, tu n'as pas trouvé la qualité de Tokaido Duo Tokaido, la qualité, elle est super. Alors, le rangement, je ne dis pas. Mais la qualité, je la trouve bien. Hein. Tu as joué où, Morakim, à Tokaido Duo? Parce que. Tu l'as eu, tu l'as ouvert et tu l'as joué. C'est pas si mal. Après, il faudra que je vérifie. Parce que... Ouais, il l'a chez lui. Je vais regarder. Moi, je trouvais que la qualité, c'était pas mal. Par contre, oui, le rangement, ok, no comment. Mais... Bon, déjà, la boîte, elle est belle. L'impression, elle est belle. Le livret, il est bien. J'aime bien faire ça en direct. Alors effectivement, on voit un peu la marque de la pliure sur le plateau, mais enfin bon, ça va. C'est un vrai plateau solide. Oui, alors non, je vois pas trop ce qui... Ah! Je regarde si je me suis pas fait une réflexion. Le sachet, il est vachement bien. C'est sachet en toile, c'est pas du sachet de merde. Les meeples, ils sont bien aussi, ils sont costauds. Les dés, bon, ils ont des couleurs. Alors, apparemment, il y en a plusieurs qui ont l'air de dire que la qualité du cartonnage est pas ouf et qu'au moment du dépunchage, ça se déchire. Et c'est la remarque que j'allais faire. Je m'étais fait la réflexion aussi. Mais enfin, bon, c'est ça que ça fait, quoi. C'est-à-dire que. Alors, ce qui est marrant, c'est que d'un côté, on a ce côté, il se déchire. Par contre, il est bien épais et solide. Donc, est-ce que c'est juste qu'ils n'ont pas eu de bol avec le résultat de fabrication? Moi, je trouve que c'est plutôt joli. Mais effectivement, j'avais eu ce problème-là aussi. Ça s'est un peu déchiré sur les côtés. Mais en fait, moi, ça s'est déchiré parce que c'était trop dur. Mais est-ce que c'est quelque chose qu'ils avaient anticipé ou pas?
Mais oui, après, oui. Quand on dit déchirer... Et même ça, hein, même le fond. Après, quand on dit déchirer, il faut qu'on montre aux gens ce que ça veut dire. Oui, oui. Hein. Je suis pas sûre que ça veut dire pareil pour tout le monde, tu vois. Faut qu'on montre quand même. Ah oui, non, c'est pour ça, c'est parce que c'est un peu... Voilà, enfin, déchirer, c'est... Vous voyez le tout petit point, petit raccro, petit point là, sur le bas. Voilà, c'est... Il y a rien, quoi. Mais là, faut vraiment être... Moi, je... en fait, j'en ai rien à Elle, c'est une frixe, donc... Non, non, je l'ai remarqué en le faisant, mais ça me choque pas plus que ça. J'ai un plateau de... J'ai des plateaux où, quand je les déplie, j'ai le papier du collé du plateau qui se décolle dans le... Moi, c'est quand on avait ce débat de dépunchage au départ, j'ai pas participé, parce que, en fait, moi, je suis Ah, moi, pas... je déteste les dépunchages où t'as le papier qui reste collé. Non, moi, je suis pas quelqu'un de très habile de mes mains, et je suis pas quelqu'un de très soigneux. Et donc, je déteste faire le dépunchage, parce qu'en général, j'ai tendance à faire ça vite, et du coup, les chances de déchirage sont énormes. Et ça me met une pression de ouf. Donc en fait, du coup, pour ne pas le faire vite, pour ne pas déchirer, je fais ça très lentement. Et ça me... Moi, le dépunchage, c'est alors une oui. finition, quoi. Par exemple, je peux te dire, effectivement, dans Namiji, c'était les cartes... Moi, alors, c'est pas dans celui-là. C'était dans Namiji, c'était les cartes de décor qui, quand tu les coupais, elles se déchiraient pas bien et ça faisait des traces. Et je trouvais ça pas très joli. Mais Namiji, il est pas cher. Mm. Voilà, par contre, effectivement, Tokaido Dio, voilà, Tokaido, il est pas cher. Tokaido, il est pas cher et Namiji, il est pas cher. Donc, ils font des prix corrects par rapport à un matos. Voilà, donc, bah, on y revient. Hein. C'est-à-dire, si tu veux du matériel Game 13 avec impression, machin, comme celui-là, bah, tu vas payer 50 balles. Et Tokaido Dio, on voit le carton, même l'insert à l'intérieur, il est un peu moins. C'est un peu, il se déplie comme ça. J'ai dit, un peu oui, plus. Mais 17 balles pour un jeu avec. Trois petits plateaux personnels, un plateau central, des meeples, des jetons à mettre dans un sac. C'est pas cher. Donc voilà. J'adore vos fins de partie, les débats sont toujours passionnants et j'apprends beaucoup de choses. Ah bah c'est très gentil. Merci. Et d'ailleurs, on va aller s'arrêter parce qu'il est 23h17 et on va aller se coucher. Tu vois, finalement, ça va. Ça allait. Franchement, bon, alors après, je sais pas si nous, on est représentatives hein, parce qu'on est quand même assez rapide. Mais effectivement, à deux, c'est pas 90 minutes. Non, à deux, on est sur... On a fait quoi on a... À là, 200 ça fait bien... lives, pour moi, ça c'est Ça doit une... faire 20 minutes qu'on parle. On a commencé à 35, on a fait les règles. On a dû faire 1h15. Ouais, 1h15, 1h20 de partie. Pour moi, à deux, c'est... Donc, c'est live, 75 c'est minutes. Une... Si, ouais, oui, heure, c'est ça, c'est 1h. Pour moi, c'est 1h si tu live pas. Mais en gros, si t'es pas en live et si t'es à deux et que t'as l'habitude du jeu, tu descends 45-90 minutes. 60 minutes. Elle s'en va. Bah oui, t'as dit, on y va. Oui, tout à fait. Donc là, elle va éteindre la lumière et fermer l'ordinateur. Non. Sur ce, je vais vous envoyer... peut-être, je vais regarder s'il y a quelqu'un en live. J'espère que vous avez passé une bonne soirée, que vous avez bien aimé ce live. Le jeudi soir, c'est toujours un peu plus dur de faire des lives parce qu'il y a le Trick Troll Show le matin, donc je suis toujours bien crevée. Et donc, je préfère faire des jeux plus légers comme ceux-là. Pardon, j'ai le son du... Ouais. Non, je m'entends dans mes oreilles. Le jeudi soir, ouais, c'est toujours un peu plus dur de faire un live, donc je fais des jeux plus légers. Et là, le problème, c'est que ce week-end, il n'y aura pas de gros jeux parce que nous partons pour mon anniversaire. Le prochain très gros jeu, je peux déjà vous dire, ça sera Tindaya, le nouveau jeu de Funforge, un énorme truc qui me fait un peu peur, je vous le cache pas. Les règles ont l'air très très denses et ça a l'air assez impressionnant. Et ça sera le 18 décembre, donc dimanche, pas celui-là, celui d'après. Entre-temps, il va y avoir un live. J'ai l'impression que le 15 décembre, je ne pourrai pas live, mais je ne sais plus pour quelle raison. Oh, bah le bouillon ludique qui nous fait un raid, c'est trop mignon! Et moi qui allais faire un raid! Bah on va aller tous chez Entrejeux Studio alors, qui font du Game of Thrones. Merci beaucoup le Bouillon Ludique. Tout le monde fait un petit follow sur la chaîne du Bouillon Ludique, c'est très très gentil. Et Idoubi, j'ai pas vu que t'avais fait la consolation, merci beaucoup. Idoubi, t'as utilisé 200 bits, merci. C'est trop gentil. Je suis désolée, j'essaye de me concentrer sur ce qui se passe. Aradwesh, hello. Salut, hello Aradwesh, ça fait plaisir. Premier live sur Twitch, en plus d'habitude le jeudi soir je regarde Trick Track Show sur YouTube. Hey, merci Zoxmo, ça fait très très plaisir. J'ai vu que t'avais pas mal participé dans le chat. Merci à tous ceux qui parlent dans le chat, qui participent, qui viennent de YouTube.
Et oui, effectivement, le Trick Track Show est sorti. Je vous invite à aller le regarder. Et oui, jeudi soir prochain, ça sera un live un peu particulier, mais je vous en parlerai plus tard. Je vous laisse marner un peu là-dessus. Mais il y aura live jeudi soir, sans faute. Ah, peut-être pas. Si, il y aura live sans faute. On en reparle. Donc, live, peut-être lundi après, mais un petit live, tout petit. Et prochain vrai live jeudi soir et dimanche d'après. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous aime, merci pour votre soutien. Vous êtes super. Et je vous envoie, du coup, merci beaucoup au Bouillon Ludique pour le raid, mais je vous envoie tout de suite. Je vais aller regarder si entre jeux studio, c'est qu'est-ce que c'est ce qu'ils font Game of Thrones là. Si c'est du jeu de plateau. Je sais pas ce que c'est. C'est du jeu de figurines et de combats. Ouais, je vous envoie chez eux. Allez. Si vous connaissez pas Entre Jeux Studio, c'est une chaîne qui fait du jeu de société souvent. Et j'ai des copains là-bas. Donc, je vous envoie en raid chez eux. Youpi ! Attendez. Hop. Raid Entre Jeux Studio. Vous avez été super nombreux ce soir. Ça m'a fait chaud au cœur. Vous savez pas à quel point ça comptait pour moi aujourd'hui. C'était très important. Je vous fais des bisous. Raid vers Entre Jeux Studio. Et vous êtes au top. Vous êtes au top. Merci beaucoup. À plus tard. Et Icoque, merci encore. T'es trop mignonne. Des tas de bisous. Salut Ludinat, salut Églantine, bisous. Bisous à Enjoy, bisous à Cordalinge, bisous à Radwesh, bisous à Alvirulent, bisous Plume Bavarde. Des bisous à vous tous. La ZDJ de Gay, Louis Chico, salut à vous et bisous à vous. Salut Enjoy, salut Ervino, salut Team Rage, salut Louise Buena. Des tas de bisous, je fais le raid. Pour pas que tout le monde s'en aille.